Let's go! Wesh le chat, ça dit quoi les gars? Yo tous ceux qui sont sur la rediff, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, ça fait plaisir, merci d'être là les revetons. Alors attendez, faut juste que je fasse un petit truc, je vais faire une petite story Insta quand même pour prévenir qu'on est en live. Le chat, dites coucou Insta, attendez, attendez le chat, j'ai besoin de vous, des coucou Insta dans le chat. Faites des gros bisous aux gens d'Insta, une grosse dédicace aux gens d'Insta, je compte sur vous. Yo yo yo, ça dit quoi les gars? Wesh BG, c'est vous les BG là? Eh c'est vous les BG? Yo yo le chat, faites des dédiés aux gens d'Insta là. Allez-y balancez, coucou Insta, let's go, ça commence, c'est magnifique. Les amis, on est en live, on est en live. Regardez, le chat vous dit coucou, le chat vous dit bonjour, ça fait plaisir. Les amis, venez, c'est très important, regardez, on va bientôt passer au niveau 14 sur Clash Royale. Et du coup, on va faire un giga pack opening pour essayer de débloquer mon premier champion une fois que je suis connu, une fois que je suis au niveau 14. Je refais ma story, mec, j'ai trop bégayé. Je refais ma story, j'ai trop bégayé. Ok, il y a encore des coucous, c'était magnifique. Les frérots, on est en live, le chat vous dit bonjour, coucou Insta, c'est magnifique, le chat est là, il pense à vous. Les gars, venez maintenant sur le live, ne ratez pas ça parce qu'on va passer au niveau 14 sur Clash Royale, là maintenant tout de suite. Et du coup, j'ai beaucoup de gemmes, on va faire un méga pack opening et on va pouvoir sûrement débloquer mon premier champion. Oh, j'ai trop hâte. Oh lolo, les gars. Les gars, tout est dit dans la story, vous avez tout entendu. Tout est dit dans la story, vous allez voir. Je vais vous montrer un peu tout ça. On va clairement passer au niveau 14. On va passer au niveau 14 sur Clash Royale, ce qui veut dire qu'on va débloquer nos premiers champions. Et qu'en plus, j'ai mis pas mal d'argent dans le jeu, vous allez voir. Et du coup, on va pouvoir faire un méga giga pack opening. Mickaël, merci pour tes 2 euros, merci Nabop. Let's go. Hop là, et attendez, j'ai besoin de vous aussi. Les gars, j'ai besoin de vous. J'ai fait un TikTok parce que vous savez, la dernière fois, je vous ai dit, je faisais un TikTok tous les 2 jours cette année. Malheureusement, j'ai organisé la NIF d'Inox et du coup, vas-y, j'ai pris trop de retard sur les TikToks. En fait, j'ai pris du retard sur un peu tout parce qu'en vrai, je me suis rendu compte que l'organisation, c'est vraiment très dur l'organisation. Je vais pas vous en dire plus. Vous allez voir demain à 14h30, il y a la vidéo d'Inox en mode anniversaire surprise. Donc, toute la journée qu'on a passée ensemble. Et moi, dimanche matin, je sais pas si vous allez kiffer le concept, dites-moi le chat si ça vous hype ou pas. Mais moi, dimanche matin, ma vidéo, c'est, en gros, c'est les coulisses de comment j'ai organisé la NIF d'Inox. C'est-à-dire, j'ai tout filmé, quand j'appelle, bah du coup, je pense que vous avez vu, les gars, je spoil pas en disant ça, mais... Il y a la sirène qui est venue pour la NIF d'Inox. Du coup, bah, en fait, il y a toutes les coulisses. Il y a tout. C'est genre, j'appelle la sirène en mode ouais, tu serais chaude à venir pour faire une surprise à Inox. Je réserve tel truc, machin. Enfin, vous voyez toute l'organisation qu'il y avait derrière. Et en fait, c'était grave dur. Trop hype, bon concept, c'est bien. Oui, de ouf. Bah voilà, ça fait plaisir. Parce que je me suis dit, moi, c'est la première fois que j'organise. En plus, Inox, il avait fait cette vidéo-là il y a l'année dernière pour moi en mode j'organise la NIF de mon pote. Cette fois c'est moi qui l'organise, c'est magnifique. Et du coup je me suis dit voilà, j'avais envie de montrer un peu les coulisses. Donc vous allez voir. J'étais pas tout seul pour organiser les gars, parce que j'ai vu quelqu'un, il a dit ça a dû demander un taf de ouf, quel monstre. Heureusement j'étais pas tout seul. Vous verrez. Mais heureusement que j'étais pas tout seul, hein, sinon c'est impossible. Bref, sinon je reprends enfin les TikTok. J'ai fait un TikTok, regardez. J'adore ma petite danse. Casse les couilles, frère. Mais je sais pas quoi mettre. Donc en fait, il faut que vous fassiez le TikTok pour moi. Là, j'ai fait le TikTok, mais du coup, je mets quoi en description? C'est genre, faut mettre un truc. Le but de la traîne, c'est en mode casse les couilles, mais en vrai, ça te fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Genre, attends, j'avais vu quoi comme TikTok? J'avais vu, il y a un mec, il avait fait un TikTok, il disait... Quand ta voiture tombe en panne, quand t'es avec ta meuf en voiture et que tu tombes en panne dans un endroit grave discret. Vous avez capté. Quand elle a déjà un mec, ben non, ça marche pas du coup. Quand elle a déjà un mec, ça marche pas. Parce qu'en gros, faut dire un truc qui casse les couilles, mais qu'au final, enfin, tu fais genre que ça casse les couilles, mais en fait, t'es content. Faut que tu fasses genre.
quand j'ai perdu Dals, mais que j'ai pécho Elsa. J'avoue que ça... Mais ouais, mais en fait, ça, c'est le TikTok facile, les gars. C'est le TikTok facile. J'ai pas envie de faire un truc par rapport à Elsa. Ça, c'est le TikTok... Je sais que les gens, ils vont kiffer, mais c'est le TikTok facile. C'est vraiment en mode... J'hésite, du coup. Putain, j'hésite. Du coup, j'hésite. Quand Elsa rajoute une heure de danse. C'était grave, ça. Putain, non, encore. Vous êtes trop chiant. Mais en vrai, si t'as pas d'idée, te force pas, c'est pas grave. Si on va trouver, on va trouver. Mais qu'est-ce que vous me racontez, le chat, là? Mais pourquoi vous me dites Elsa est enceinte ou pas? Mais qu'est-ce que vous me racontez, le chat? Mais vous... Mais qu'est-ce que vous me dites, là? Putain, mais vous avez pas d'idée, en fait. En fait, vous êtes comme moi, là. Vous êtes comme moi. Incroyable la vidéo avec Théodore, j'ai vu elle est sortie, je l'ai pas encore regardée, j'ai envie d'avoir. Oui parce que je re-regarde les vidéos mais juste pour voir, tu sais, pour me remémorer les bons moments et revoir le montage aussi. Mais je l'ai pas encore vue la vidéo avec Théodore, je crois elle est trop marrante. Les gars j'avais trop aimé le tournage. Sarah merci pour ton sub. Il y a une rumeur qui dit que Elsa est enceinte. Mais wesh, les gars non. Mais il y a vraiment une rumeur. Eh, y a trop de rumeurs. Eh, mais en vrai, je me suis rendu compte, les gars. Je me suis rendu compte, avoir une relation amoureuse sur les réseaux, les gens, ils s'inventent ta vie. Les gens, ils m'inventent ma vie. Les gens, ils l'inventent. Je vous jure que, les gars, les gens inventent ma vie. C'est comme quand il y a eu les rumeurs en mode Michou et Inox sont plus potes. Michou lâche Inox pour sa meuf. Enfin, bref, il y a eu trop de rumeurs qui... Il y en a aucune qui est vraie, en fait. Tout ce qui est vrai, c'est ce que je vous dis. Après, forcément, il y a des trucs que je vous dis pas parce que c'est privé. Mais les trucs que je vous dis pas, c'est pas des trucs que vous avez besoin de savoir, quoi. Je sais pas d'où ça vient, ces rumeurs, mais c'est trop chiant. Ça va trop vite, hein. Il suffit qu'il y ait un TikTok qui perce et les gens, ils y croient. Quand tu vas au McDo et que t'as oublié ton argent et que ton pote dit « T'inquiète, je te paye ». Quand l'alarme sonne pendant un contrôle. Ouais, c'est vrai que ça marche, mais c'est pas... Il y a mieux. Non, mais je crois, les gars, je vais faire le TikTok sur Elsa. Hein. Quand j'ai perdu Dals, mais que j'ai gagné Elsa. Mais c'est trop facile, wesh. Hey, c'est trop facile, les gars, je vous jure. Vas-y, j'en ai marre de faire des TikTok sur Elsa, moi. Mais j'avoue, c'est marrant. C'est ça, le problème. Bon, Balek, je mets ça. C'est trop bof, ça. Pourquoi c'est bof? Vous trouvez ça bof? Non. Vous trouvez ça bof? Non, c'est pas bof, wesh. Non, c'est pas bof. Si. Non, mais pas bof dans le sens bof en mode c'est pas bien. Mais bof en mode mulet claquette chaussette, quoi, c'est bof. Mais qui dit que c'est bof? C'est archi bof. Mais c'est pas bof, wesh. C'est une belle disquette, je trouve. On est d'accord, c'est une disquette. Moi, je trouve que c'est une dard de disquette. Et je vais mettre en description, je mets... C'est le dernier TikTok sur Elsa, promis. Sur Elsa, promis. Ok, je mets quoi en hashtag, les gars? Hashtag Michou. Hashtag Elsa. Hashtag for you. Hashtag...
J'avais pas d'inspi. Hashtag. J'ai quand même le seum d'avoir perdu Dals. Voilà. Le hashtag est beaucoup trop long. Ok, publié, let's go. Ah c'est pitié, j'ai eu peur. Nouveau TikTok. Let's go. Mais je rêve. Les gars, il y a Yuki, elle est en train de rêver. C'est pour ça que vous avez entendu un bruit. Il y a eu un petit bruit. Mais wesh. Elle fait un vrai. Mais elle bouge et tout. Et elle fait des vrais rêves. Et j'aime trop. J'aime trop quand elle rêve. Vous entendez ou pas? Mais wesh. Elle va bien, mais oui, elle rêve juste. C'est un cauchemar. Vous croyez que c'est un cauchemar? Elle a aboyé quand même. Hein. Mais c'est un truc de ouf comment elle bouge. C'est trop marrant. Bref, bon les gars, Matt, merci pour tes 10 euros. Merci Valentin pour tes 20 euros. Ellie, merci pour tes 5 francs suisses. Merci Polonais. Sarah, ANR. Mais non, ANR Frané, ça dit quoi, wesh? Celui de ton clan et celui qui avait fait 4ème de ton tournoi. Mais t'inquiète, je reconnais ton pseudo. Mais wesh. Il y a un mec de mon clan sur le chat. Laetitia, merci pour tes 5 euros. Merci Sarah et Théo. Merci pour tous vos dons, les amis. Les gars, j'espère que vous êtes prêts. Là, ça rigole plus. Je vous explique. C'est fini de rigoler. Ah, c'est fini de rigoler. Les amis, aujourd'hui, Clash Royale. Je suis devenu accro. J'ai une petite annonce à vous faire. J'ai encore. Encore, j'ai encore craqué. Je me suis encore fait pigeonner. J'ai encore mis des sous dans le jeu. Je vous explique pourquoi, les gars. J'ai quasiment 80 000 gemmes. J'ai mis 500 euros dans le jeu. C'est trop. J'ai mis 500 euros dans le jeu aujourd'hui pour ce pack opening. C'est beaucoup trop. Je le sais, mais après, en fait, non, mais en fait, le problème, je suis trop faible. J'ai été trop faible. Vous savez, c'est quoi le problème? Je vous explique le problème. C'est que, vous savez, il y a eu le tournoi Clash Royale. Il y a eu le tournoi Clash Royale d'Inox. Inox, il a fait Inox, il a organisé un tournoi Clash Royale. Moi, j'ai terminé deuxième et j'ai gagné 5000 euros de cash prize. Donc, je me suis dit. 500 euros dans le jeu, bah c'est pas grave frérot, le jeu, j'ai gagné 5000 euros grâce à ce jeu, je peux me permettre de mettre 500 euros dans le jeu, machin, voilà. J'ai été faible, je vous dis la vérité, j'ai été faible. Sauf que, j'ai pas fait ça pour rien, je vous explique. Il me manque très peu d'XP, il me manque très peu d'XP. Merci Ellie pour tes 20 francs suisses, merci beaucoup, merci Soso et Adam, merci beaucoup les gars pour tous vos dons. Il me manque très peu d'XP pour passer au niveau 14. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? On va améliorer quelques cartes. En ce moment, j'essaye de tryhard un peu ce deck-là. Sauf qu'à la place de la charrette à canon, j'aimerais bien mettre la reine des archers. Et c'est pour ça que là, les gars, on va mettre un petit peu de. Bah, j'ai déjà mis des sous, mais on va upgrade un peu toutes mes cartes. Par exemple, le bûcheron, on va le passer niveau 14. La tornade, on va la passer niveau 13. L'électro-dragon, niveau 13. Et du coup, on va passer au niveau 14. Une fois qu'on sera au niveau 14, on aura des gemmes. On va ouvrir ça, frérot. Et là, champion garanti au niveau 14. Donc, comment vous dire? Qu'on va se régaler. On va se régaler. Je sais pas les champions s'ils sont durs à améliorer. Sauf que si on a champion garanti et que pour les passer au niveau 12, il faut que deux champions. Je pense que si ça se trouve, on finit avec un champion niveau 14. J'en sais rien, hein. J'en sais rien. Mais peut-être. Les gars, c'est parti. On améliore le bubu, le cheche, le ronron.
Hop là, bûcheron niveau 14. Oh là là, t'as craqué là. Les gars, j'ai plus que craqué, mec. J'ai 80 000 GM, c'est beaucoup trop. Ellie, merci pour tes 20 francs suisses. Merci, ma couille molle. Ma couille molle. Merci, ma couille molle, pour tes 2 euros. Oh là 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 là. Bûcheron niveau max, déjà. Ça, c'est beau. Regardez. On va avoir 73 000 XP. Oh là 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 là. Electro-dragon. Putain, ça me prend 3 000 GM. C'est pas grave, les gars. Des gemmes, on en a, frérot. Des gemmes, on en a. Go, go, frérot. Electro-dragon niveau 13. Merci, Nico. Polonais. Merci, Stella. Merci beaucoup, les gars. Hop là. Elsa et Andrea ont l'air de... Elsa et Andrea ont l'air de bien s'entendre à la soirée d'Inox. De fou, frérot. Elsa et Andrea, c'est devenu les meilleurs potes du monde. Hein. Je vous jure, frère, c'est trop marrant. Mais parce qu'en fait... Bref. Après, je vais trop en dire. Ok, bon, par contre, j'ai plus d'or. Eh, mais attends. Ça va me coûter cher quand même en gemme, cette histoire-là. On améliore la tornade. Ça me reprend 3000 gemmes. Ça coûte un peu cher, là, en gemmes. Ok. Magnifique. Il nous manque combien là? Oh là 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 là, les gars, il manque. Ok, je sais. Je sais. On va améliorer. Regardez, on va améliorer quoi? On va améliorer. Ça, ça donne combien? Ça donne combien d'XP? Ça donne 1500 ou pas? Ok, je sais ce qu'on va faire. On va améliorer les barbares d'élite. Oui, je sais, je suis... voilà, je joue un peu cancer, mais au moins j'ai les barbares d'élite niveau 14. Moi, je suis plutôt content, ça fait plaisir. Barbares d'élite niveau max. Oh là 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 là. Et là, normalement, frérot, normalement, là, j'ai plus qu'à améliorer le zap. Et là, mon pote, et là, mon pote, et là, mon pote. Je suis niveau max, niveau 14, frérot. Le niveau 14. Je suis trop refait, frère. Je suis trop refait. Mec, niveau max. Je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Ah, ça grésille, attendez. Normalement, si je fais ça, attendez, hop. Là, vous entendez le son du jeu ou pas? Normalement, là, ça devrait plus grésiller. Vous entendez le son? Oui, 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 ok. Normalement, là, ça devrait plus grésiller. On va voir. Hein. Les amis, niveau 14. Champion débloqué. Oh, bordel, je suis trop... En vrai, de vrai, je suis trop, trop content, sa mère. Je suis trop, trop content. Oh oui, on va avoir un coffre. Oh, le dernier coffre d'amélioration. Champion garanti. Les gars, on va avoir notre premier champion. S'il te plaît, j'espère. En vrai, de toute façon, j'espère qu'on va avoir les trois. Hey, je me mets debout carrément. Je me mets debout carrément. Ça y est, je suis trop hype, frère. Je suis trop hype, je suis trop hype. Bon, après, j'ai mis 500 euros, j'avoue, mais je suis trop hype. MSD, merci pour ton sub. Merci, Vincent. Je suis heureux pour toi, tout ce qui t'arrive dans ta vie actuellement est vraiment ton couple. Merci mon ref. Merci Nabob pour tes 2 francs suisses. Bonjour Miguel, mon fils vous adore. Eh ben, ça fait trop plaisir. Pour moi c'est Miguel, pas Miguel. Mais je t'en veux pas. Grosse dédicace Ibrahim, Yacine et Biggie. Les gars, mon objectif dans les 3 champions, ma préférée, c'est clairement la reine des archères. Mais après mon but c'est de débloquer les 3. Mais j'aimerais bien que mon premier champion s'assoit Reine des Archers. Mec, ce coffre, Dema 12 000 or. Ce coffre, c'est un coffre. C'est un coffre de moula. Hein. C'est un coffre de giga moula. 50 gemmes, ok. Bon, des gemmes, t'inquiète pas, j'en ai. Ouh, 200 jokers rares, let's go. Ok, ça c'est cool, mec. On va pouvoir améliorer la rare qu'on veut. 577 mortiers. Je suis, écoutez-moi bien, je suis dépité du mortier. Je m'en fous, je suis dépité, frère. Eh mais attends, j'étais en train de me demander pourquoi il reste 3 cartes. Parce que j'allais me dire, attends, il reste 3 cartes. On a eu toutes les communes, toutes les rares. Après, il y a épique et légendaire. Et champion maintenant. Ah, je suis fou. C'est parti. Oh là là, après c'est une légendaire.
Attends, non, même pas ça, c'est champion ça. Ça clignote trop vite là. C'est pas légendaire ça, les gars. Ça, c'est champion, non? C'est champion? Non, je pense que champion, on va l'avoir en dernier. Je crois que j'abuse. Mais j'ai l'impression que ça clignote trop vite. Je crois que je deviens fou, les gars. Ok, c'est légendaire. Je devenais fou. C'est bien ce que je pensais. Ok, petit dragon de l'enfer, pourquoi pas, j'aime bien. Et les gars, maintenant. C'est le désarché, s'il te plaît. Mon premier champion, on va voir c'est quoi. Mon premier champion, les gars. Si c'est roi des barbares, ça veut dire que je suis un beau gosse un peu charismatique. Si c'est reine des archères, ça veut dire que j'ai de la chance. Et si c'est roi squelette, ça veut dire que je vais mourir bientôt. Non. Let's go! On ouvre! La reine des archers, c'est... Oh, c'est trop stylé, frère! Ok, chevalier d'or, pourquoi pas? Pourquoi pas, mec? Je suis un peu dégoûté, c'est pas la reine des archers, mais ça veut dire que je suis un beau gosse un peu charismatique. C'est vrai, les gars, j'ai fait des dégâts des lasers il y a pas longtemps. Voilà, le beau gosse est là, le beau gosse est là. Je suis semi-dégoûté, mais semi-trop content parce que c'est quand même mon premier champion. Et de toute façon, là, on va ouvrir des coffres, on va avoir des champions. Donc vous inquiétez pas, normalement, la reine des archers, on devrait finir par la voir. Je suis trop content. On a eu le chevalier d'or, mec. Mec, c'est incroyable. Mais en vrai, là, je suis vraiment trop content. Hein. Je crois que vous vous rendez pas compte, les gars. Je crois que vous vous rendez pas compte. Il me reste plus que 2 cartes à débloquer. Il est où? Il est où, frère? Il est là, frère. Il est là. Il est là. Mec, je suis heureux. Je suis trop heureux. Et du coup, normalement, si on ouvre ça... Si on ouvre ça, normalement, je dis pas de conneries, on va avoir encore un champion. Oh là là, mais là, je vais ouvrir... Mec, là, je peux ouvrir au moins 15 coffres comme ça, frère. Même plus. Ok, 70 jokers. Ok, magnifique. On a du joker. Ah, mais c'est vrai, j'avais oublié. On a des jokers de tout. Petit joker légendaire. Ok, les communes, on prend quoi? Vas-y, on va prendre de la méga boule de neige. Les rares, on prend de la fournaise. Je t'avoue, là, les communes et tout, je m'en fous un peu. Hein. TDE. Oh là là, la TDE, bientôt niveau 13, ça fait plaisir. Oh là là, les gars, ça clignote déjà alors qu'il reste 2 cartes. C'est trop beau. J'aime trop voir ça. Du sort de foudre. Légendaire. Qu'est-ce qu'on a en légendaire? Je ne sais pas. Oh, on va partir sur archer magique, hein. Fantôme royal. Qu'est-ce que je raconte? Le petit fantôme royal. Et du coup... Oh, et en plus je peux choisir. Mais ouais, c'est trop bien, frère. Mais c'est trop bien. Oh, elle est là. Elle est là, la Big Moula. La reine des archers. Je suis trop content. Oh là, mais mec. Non, mais là c'est obligé, je termine avec un champion niveau 14. C'est obligé, je termine avec un champion niveau max, les gars, non? Attends, mais j'ai 62 000 gemmes. Je peux ouvrir au moins 20 coffres comme ça, frère. Oh, mec, c'est trop bien. Oh, mais mec, c'est... Mais attends, mais là, c'est le plus beau jour de ma vie. Hein. C'est le plus beau jour de ma vie, là. C'est incroyable. Tu peux ouvrir 30 coffres, Mich. Mec, c'est... Mais attends, mais là, c'est incroyable. Mais attends, Tesla ou Gargouille? Ok, Tesla. Hop là, on va prendre les fripons. Le mortier, mec, faut vraiment le choisir en cas d'extrême urgence, hein. Ok, le petit colis royal, bientôt niveau 12. Le géant, pourquoi pas. Oh, électro-dragon, ça fait plaisir. Bientôt niveau max, il est dans mon deck. En légendaire. Du coup, bûcheron, il est déjà niveau max. Je sais plus ce que j'ai besoin comme légendaire, mec. En vrai, légendaire, vas-y, je prends de tout. Hein. Je prends de tout. Et champion. Allez, encore la reine des archers, s'il te plaît. Comme ça, je l'avais niveau 12. Oh là. Mais attends, par contre, le roi squelette, il veut pas tomber. Le roi squelette, il veut pas tomber. Ok. Elle peut passer au niveau 12. Attends, parce que si ça se trouve, ça coûte méga cher, non? Ça coûte cher ou pas, passer un champion au niveau 12? Oh. Vous avez atteint le niveau 14 du roi. Et en récompense, vous avez débloqué les champions. Et ouais, ma gueule. Chaque champion dispose d'une puissante capacité. Ouais, t'inquiète, j'avais compris. Débloquer, améliorer les champions en ouvrant des coffres. Vous en aurez un garanti dans chaque coffre Joker Royal. Ok, magnifique. Ça coûte combien? 35 000. Oh, mais ça vaut même pas si cher en vrai.
Bah attendez, j'améliore. Et là, il m'en faut 8. Ah ouais, non, c'est chaud en vrai. Ah ouais, il en faut 8 pour mettre au niveau 13. Donc après, niveau 14... Je sais pas, il va en falloir combien, mais après, niveau 14, s'il en faut 16, genre... En vrai, il y a peut-être moyen, hein, si j'ouvre 30 coffres. Là, j'en ai ouvert 3. J'ai eu... Il faut que j'en ouvre 8, 16, il faut que j'en ai 24. Après, c'est 20. Ah, merde. Level 14, c'est 20. Ah ouais, donc il me faudrait 28 reines des archers. Sachant que j'ai à peu près 28 coffres à ouvrir, faut que j'ai une big chance. Faut que j'ai vraiment beaucoup de chance. Oh là 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 là, mais gros. Mec, c'est trop beau. Eh, c'est trop beau. Mais là, ce deck-là, il est cool, mais... Le problème, c'est que mes cartes sont pas assez améliorées. Electro-dragon. Ouais, ça coûte trop cher en joker. Ok, on va faire un deck après. Eh, vous savez quoi? Gros, on va ouvrir du coffre légendaire du roi et on fera un deck plus tard. Allez, c'est parti, mon pote. C'est parti, mon pote. Let's fucking go. Tu peux utiliser le livre ultime. Joker légendaire, ça les up. Mais non, t'es un menteur. Attendez, attendez, attendez. Parce que j'ai un livre légendaire. Pas ultime, pas ultime. J'ai le livre pour les cartes légendaires. Mais je pense pas que ça marche. Je pense que c'est le livre ultime pour toutes les raretés qu'il faut. Ok, la mousquetaire. La méga gargouille magnifique. Le zap. Le zap en direction vers niveau max. Eh, mais là, c'est trop magnifique. Hein. Toutes mes cartes, elles sont en train d'être améliorées niveau 13 ou niveau max. Le ballon fort. Le ballon de loin. En légendaire, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en légendaire? Cavabelli ou pêcheur? Vas-y, en vrai, pêcheur, il défend trop bien. Et en champion. Et en champion. Encore deux. Mais attends, mais le roi squelette veut vraiment pas tomber, frère. Ok. Toi, je te prends. Et du coup, attendez. Je pense pas que ça marche. Elle est où, ma reine, là? Hop là. Ah non, ça marche pas. Ah ouais, ça marche pas. Parce que j'ai le livre légendaire, mais mon livre ultime, je l'ai utilisé. Putain, je suis trop con, les gars. Celui-là, je l'ai pu, je l'ai utilisé. Par contre, j'ai celui-là. Et j'ai même deux livres pour les communes. Bah attends. Bah attends, attends, attends. Mais du coup, les communes. En vrai, je vais utiliser mon livre sur le zap, hein. Bah, oh, mec, j'ai 4400 jokers de commune. Bah voilà, frère. Comme ça, le zap, j'ai plus besoin d'en avoir. J'ai plus qu'à l'améliorer. C'est trop bien. Mes gargouilles, mais attends, en vrai, mes gargouilles. Ok, après, j'arrive pas à me rendre compte. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de commune dans mon deck. J'avoue que j'ai un deck avec que des épiques. C'est trop chiant. Au pire, on va faire des petites modifs, hein. Eh, venez, on ouvre et on fera des petites modifs. Attendez. Au pire, non. C'est mieux si on fait un deck maintenant, non? En fait, j'ai trop d'épiques dans ce deck. Est-ce que vous avez un bon deck golem et reine des archers? Mec, je veux trop la reine des archers dans mon deck. Ouvre-toi avant. Fais après. Ok, j'ouvre maintenant. Ouais, mais imaginez, je choisis pas les bonnes cartes du coup. Non, c'est mieux de faire le deck maintenant. Créer un deck de fou. Va sur TV Royal. TV Royal. TV Royal, c'est forcément des bons decks ou pas? Ah oui. Ah oui. Ah oui, d'accord. Alors attends. Un bon deck golem, reine des archers. Putain, mais personne joue le golem. Je suis dégoûté. En fait, les gars, le golem, il est pas si fort que ça. Hein. Ce deck-là, là, j'ai vu beaucoup de monde le jouer. Mais il n'y a pas la reine des archers, c'est dommage. J'ai trop envie de jouer un champion, du coup, moi. Mec, je viens de débloquer les champions. Forcément, j'ai envie de jouer les champions. Sinon, je peux voir pour ce deck-là. C'est un bon deck, ça? Ah oui. Ce deck-là.
Ce deck là il peut être cool à jouer, non? Attendez, je vais voir. Merde. Merde. J'ai tout quitté. Putain mec, j'aimerais trop passer sur la TV Royale. Oh! Ah non, rien. J'aimerais trop passer sur la TV Royale. Attends, mais c'est plus les mêmes decks que... Ah si, il est là. Copier deck. Coller. Ah ouais, non, c'est galère. En vrai, eux, je peux les passer niveau 14. Les gargouilles. Ouais, mais t'as vu, mon géant, il est niveau 12. Ça, c'est que niveau 12. Ça, ça va être que niveau 12. C'est nul. Et au pire, attendez, venez, j'essaye de créer un deck. Hop, golem. Déjà, on met golem, c'est la base. Est-ce qu'on fait golem cimetière? Je pense pas. Bûcheron. Bûcheron avec le golem et tout, c'est cool. Ça, je trouve ça très cheaté en défense. Bah non, MDR. Golem, c'est claqué. Mais ouais, mais les gars, moi, j'aime trop le golem. J'aime trop le golem. Clone et sorcière de la nuit. Clone sorcière de la nuit. Eh, y a pas un joueur pro, il peut me faire un deck un peu adapté à mes cartes ou pas? Parce que moi en fait j'ai amélioré trop n'importe quoi. Electro-dragon, il est cheaté. Electro-dragon, je le prends. En sort, je prends quoi en sort? Mais en vrai, mon deck il va ressembler à celui-là. Hein. Attends, déjà. Elle, je vais la mettre là. Il est un peu cher. Ouais, c'est vrai que là, il est un peu cher, ce deck. PPDR, il fait le même deck. Bah, j'avoue que j'étais en train de faire exactement le même. Mais attendez. Déjà, j'aimerais bien... Tu sais quoi, je vais enlever la tornade. Les gars, boule de feu ou flèche? Je pense que je vais mettre les flèches. J'aime trop les flèches. Ok. Il coûte encore plus cher là mon deck. Sinon... Je sais pas ce que je fais les gars. C'est pas mal là. Là c'est pas mal et mes cartes elles sont bien améliorées. Moi je pense que ce deck il est cool, non? Vous en pensez quoi en vrai de ce deck? Chauve-souris à la place de l'électro-dragon. Trop cher. Enlève l'électro-dragon. Yawa le ouf dans ton chat. Ah ouais? Attendez, je prends mon tel. Il a... Attends, il a Twitter Yawa le ouf ou pas? Mais est-ce qu'il est vraiment dans... Non, mais vous mentez. C'est sûr, vous mentez. Yawa le ouf. Putain, il me suit, wesh. Yawa le ouf, il me suit. En vrai, je suis trop content. Yawa le ouf, il me suit. Oh, il est trop mignon, frère. Il est trop mignon. Il m'a envoyé un message sur Twitter en mode... il s'est présenté un peu et tout. Oh, mais il est trop mignon, c'est trop le crack. Yo, BG, ça dit quoi? T'inquiète. Bah, c'est simple. Si Yawa le ouf est sur mon live et qu'il peut m'aider à faire un deck, il va sur Twitter, mais là, il répond pas. Donc, je pense qu'il était pas sur mon live. Golem élixir, c'est deux d'élixir. Mais golem d'élixir, j'aime pas trop en vrai.
Vous pensez vraiment faut que j'enlève le golem? Putain. Putain, je joue quoi si je joue plus golem, les gars? Je sais jouer que ça, moi. Je sais jouer que ça. Laissez-moi mon golem. Putain, sinon je peux mettre... Je peux mettre quoi, en vrai? À la place de l'électro... En fait, c'est l'électro-dragon, il coûte trop cher, mais... Mais là, mon deck, il est merdique. Oh, il m'a répondu. MDR, ça va et toi, BG? Attends, je vais demander s'il est sur mon live. Mes abos me disent ça. Mes méga gargouilles. Ah! À la place de l'électro? Vous pensez ça, c'est un bon deck? Mais en fait, là, le problème... Non, mais frère, là, j'ai rien pour zap. Le mec, il me met une TDE, je suis fini. Hein. Mais là, ça pue la merde. Là, si le mec... Oui, je suis là. Oh, il est là! Oh, il est là! Oh, le ouf! Wesh, BG, ça dit quoi? Attends, mais du coup, est-ce que tu peux m'envoyer un deck que tu trouves bien avec Golem et Reine des Archères et sachant que mes cartes, c'est ça? Parce que... En fait, après les cartes niveau 11 ou niveau 10, t'as vu, ça devient chaud de les mettre dans mon deck. Ouais, l'électro, il est bien. En vrai, l'électro, je pense que je le mets dans mon deck, non? Sinon, il y a le zap, hein, je peux l'améliorer niveau 14. La tombstone, je l'aime bien. Après, peut-être il va vouloir que je mette la fournaise ou quoi. Ça va peut-être être plus fort, mais... Je sais pas, la tombstone, je l'aime bien. Je sais pas trop, les gars. Je sais pas. Je sais. Mais j'avoue, le golem, il coûte trop cher, ce chien. Eh, s'il vous plaît, Clash Royale, faites une mise à jour où le golem passe à 7 d'élixir. Voilà, comme ça, gratuitement. Si vous voulez, vous lui enlevez un peu, il fait un peu moins mal. Si vous voulez, il fait un peu moins mal. Il passe à 7 d'élixir, il fait un peu moins mal. Comme ça, moi, j'ai pas besoin de changer de carte. Je garde mon golem niveau 14. Parce que sinon, je voudrais bien jouer géant. Moi, ça me dérange pas. Mets le zap au lieu des flèches. Ouais, mais moi, j'aime bien les flèches. On va voir. On va voir ce que Wallowf me dit. Attends, je vais bien lui montrer. Wallowf, si t'as besoin de voir mes cartes, je te montre comme ça. Après, peut-être il y a des cartes, par exemple, là. Je sais que mes gargouilles sont niveau 11, mais j'en ai tellement que je peux les passer niveau 14, presque. En plus, les communes... En vrai, les communes, ça m'arrange. Si tu veux mettre des communes dans mon deck, ça m'arrange. Parce que les communes, je peux trop les améliorer. J'ai trop de jokers et tout. Des légendaires, pareil, j'ai pas mal de jokers. Après, le reste, ça devient un peu plus chaud. En vrai, l'électro-esprit, ça peut être pas mal, non? Je crois que là, c'est impossible de faire un deck bien avec mes cartes que j'ai. Un deck méta. Surtout go... Putain, je te jure, mec. J'ai envie de jouer ces deux cartes, là. J'ai envie de jouer ces deux cartes à tout prix, les gars. Je donnerai tout pour jouer ces cartes. Joue, putain. Vas-y. Pendant ce temps-là, les gars... Je t'envoie ça dans 3-4 minutes. Putain, c'est un crack. C'est un crack. Pendant ce temps-là, les gars, on se fait un petit coffre. On se fait un petit coffre pendant ce temps-là. Oh, les gars, je vais avoir un deck fait par Wallouf. Après, faut que je joue bien. C'est ça le problème. Ok, c'est parti. On a un petit peu de joker. Magnifique. Petit joker légendaire. Putain, on va être bien. Bombardier ou fût à squelette. En vrai. Vas-y, en vrai, je vais prendre du fût à squelette. Même si ça va pas dans un deck golem, le fût à squelette, ça peut être cool. Hop là, le petit collier royal. Pas encore niveau 12, bientôt. Ouh, l'artificier, bientôt niveau 12 aussi, là. Hein. Putain, ça fait plaisir, frère, j'augmente. Oh, tour de l'enfer niveau 13. Tour de l'enfer que je peux passer au niveau 13. Ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Sort de foudre ou chasseur. Le sort de foudre est de loin, frérot. Après, le chasseur, il y a pas longtemps, il y a eu une mise à jour. Ils ont changé des cartes. Et le chasseur, ils l'ont un peu amélioré. Donc, si ça se trouve, il va devenir méta, hein. Attention la légendaire. Ok. Bah cimetière je l'ai au niveau max. Donc on va prendre la vieille hein. Et c'est parti. Mon champion. Attention j'ai qui? La reine des archères s'il te plaît. Oh. Je prends quoi les gars?
Vous savez quoi? Je vais prendre la reine des archères parce que je pense qu'à un moment, j'aurai roi squelette et chevalier d'or. Et du coup, je prendrai le roi squelette. Donc, je prends la reine des archères. Elle va passer niveau 13. Elle va passer niveau 13. On ouvre encore. Je suis à... Oh, il m'a envoyé un message. Oh. Alors, j'ai créé ça. Oh. Il m'a envoyé un deck. Oh, ça m'a l'air pas mal. Oh, ça, oui. Ça, c'est des cartes que j'ai améliorées, ça. Oh. Après, j'arrive pas à m'en rendre compte. Ok, il m'a créé un deck. Il a créé un deck que j'aime bien. Si son deck, il marche vraiment bien... J'adore. C'est archer, golem, armée de squelettes, méga gargouille, barbare d'élite, reine des archères, boule de feu, zap. Pour de vrai, c'est que des cartes que j'aime jouer. Donc en vrai, si c'est un deck méta, mec, c'est incroyable. Je vais tester, hein. Du coup, vas-y, on va continuer à prendre de la TDE. Les flèches, je les ai au niveau max, on prend le petit feu à squelette. Là on va prendre les sapeurs, en vrai les sapeurs c'est très fort. Cochon, bon je risque pas de jouer cochon aujourd'hui mais on sait jamais. Clonage ça passe bien dans les decks golems donc je prends du clonage, on sait jamais pour plus tard. La légendaire, qu'est-ce qu'on a en légendaire? Oh, ah mais mon électro il est niveau max. Ok on prend du pêcheur et champion, la reine des archères s'il te plaît. Ok, ok, eh, elle est là dans tous mes coffres. Frérot, elle me kiffe déjà, moi aussi je te kiffe. Je suis trop content. Ok, alors attendez. Alors attendez. Alors j'ai créé ça. Alors attendez, je vais vous montrer ce qu'il m'a créé. Bam. Ah ouais, il s'est vraiment trop bien adapté à mes cartes. Eh ouais, le ouf, t'es un monstre. C'est un big monstre. Hop. Et armée de squelettes. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Ah non, c'est boule de feu, zap, 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 zap. Ok. C'est ce qu'il m'a créé. Oh. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Mais il m'a mis un petit message. Il m'a mis... Mais si tu peux, si jamais tu as assez de cartes, remplace la méga gargouille par la sorcière de la nuit. J'ai vu que tu l'avais niveau 11, donc j'ai mis une MG à la place. Normalement, ça devrait le faire. Oh. Ok. Challenge accepté. En plus, non mais en plus, regardez, non mais je vais pouvoir grave l'améliorer. La sorcière de la nuit, je vais pouvoir grave l'améliorer. Il coûte cher les gars, mais de toute façon le golem, faut pas le mettre en début de game. Cher de fou. Les gars, moi je fais confiance. C'est Walouf qui m'a créé ce deck. À partir de ce moment là, je pense qu'on peut lui faire confiance. Mais après faut que j'apprenne à bien le jouer aussi. Mais en vrai, c'est un deck qui peut faire hyper mal en double élixir. Parce que golem, barbare d'élite frérot, ça peut faire vraiment mal. On va voir. Et du coup, la sorcière de la nuit... Ah, la sorcière de la nuit, t'inquiète pas que je vais pouvoir l'améliorer. Hein. T'inquiète pas. Ok. Du coup, les gars, il nous faut de la sorcière de la nuit. Il nous faut un peu d'or aussi, parce que là, il va me falloir beaucoup d'or pour améliorer tout ça. Il nous faut de la reine des archers. Et après, on va voir qu'est-ce qu'on a comme carte. Et je vais prendre mes cartes préférées, hein. Je vais prendre mes cartes pour plus tard, je vais penser pour plus tard. Ok, c'est parti. 70 jokers. Eh, les jokers, en vrai, c'est trop bien. Les jokers, les gars, c'est vraiment trop bien. Je pensais pas que c'était aussi dard. Géant ou électrocuteur? En vrai, les gars, parce que... Géant, j'aimerais bien l'améliorer, parce que vous voyez, en général, le géant, genre géant cimetière, ça se joue beaucoup. Électrocuteur, c'est un peu méta comme carte. Si jamais tu as besoin de gameplay, je peux t'ajouter en ami et faire quelques games. Oh, grave chaud. Grave chaud. Envoie une demande si tu peux. Oh là là. Les gars, on va être coaché par Walouf. Eh Walouf, pas pour ce live là, mais prochain live. Je suis grave chaud. On va sur Discord et limite tu me coaches avec le deck. Mais déjà, si je te vois le jouer... Je vais un peu mieux comprendre. Le géant, il a été amélioré. Je prends le géant? Ok, je prends le géant, les gars. Je prends le géant. Magnifique. Séisme ou roquette? En vrai, la roquette, je pense que je la jouerai jamais de ma vie. Le séisme, ça peut être dard dans un deck golem, en vrai. Gargouille ou... Vas-y, je prends les gargouilles. Eh, hey, mais mes gargouilles, j'arrive pas à me rendre compte, là. J'en ai tellement. C'est 1500. Après, un moment, il faut 5000. Donc là, j'ai 6500... Donc j'ai pour amener au niveau 11 et au niveau 14. Du coup il m'en manque 3000 en fait.
Et j'aurai assez de gargouilles pour les mettre niveau 14 alors qu'à son niveau 11. Cabane de gobelins, c'est très fort. Bully, je l'ai déjà niveau max, donc on prend du fût. Légendaire, attention la légende. Sorcière de la nuit du coup. Ok, pas de sorcière de nuit, c'est pas grave. En vrai, méga chevalier, c'est bien cancer, mais je prends. Et ma petite reine des archères. C'est pas grave les gars, il fallait un moment où je pouvais pas choisir la reine des archères. Mais du coup, roi squelette débloqué. J'ai toutes les cartes du jeu frère. J'ai toutes les cartes du jeu frérot. J'ai toutes les cartes du jeu. Carte possédée 106 sur 106. Je suis un monstre. Et voilà, il me manque plus aucune carte. Il est où le roi squelette? Oh là là. Par contre le roi squelette, je sais que c'est un champion que quand tu le joues bien, il est très 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 fort. Ok, on se met bien. Vas-y, je vais prendre les dragons squelettes en vrai. Fuis à squelette. Mon zap, bah du coup il est niveau max. On va prendre du mortier. C'est quoi, je prends le l'extracteur juste pour pouvoir le mettre au niveau 12. Oh, oh, le raciste, on le prend. Let's go. Allez, légendaire, on prend quoi les gars? Sorcière. Putain. Il me faut de la sorcière. Ok, c'est parti. Reine des archers, s'il te plaît, ça fait plaisir mon frérot. Mec, la reine des archers, quand je vais la mettre niveau 13, je vais être trop content. Alors attendez, du coup, sorcière de la nuit. Hop là, 7 jokers. Et voilà. On l'améliore au niveau 12. Et voilà. Et du coup, c'est parfait. Les gars, la sorcière de la nuit, je peux la mettre niveau 14. Parce que regardez. Coucou le clan. Alors, ça me tue dans le clan, on voit les champions que j'ai débloqués. Et ils ont dû rien comprendre. J'ai débloqué 3 champions en 10 minutes. Ils ont dû rien comprendre. Oh, il y a Shetty, il est revenu. Mais Shetty FL God, mec, c'est un mec, il vient dans notre clan. Il est trop, il est monstrueux mec, Théma, il a 8200 trophées, il est monstrueux. Sauf qu'il est trop chiant, parce que il vient, il part, il vient, il part, il vient, il part. Il est trop chiant frère. Putain mais attends, mais là notre clan il est surcheaté frérot. Là on a un clan vraiment cheaté. Alors attendez, demande de carte. On va demander quoi? Putain je sais pas quoi demander du coup. Est-ce qu'il y a une carte qui est pas... Mais du coup, toutes mes cartes vont être niveau max sauf marine. Putain, ça va être magnifique. Je sais pas quoi demander, les gars. Je demande quoi? Méga gargouille. Vas-y, je demande la méga. Alors, attendez. Attendez, MDR, Shetty, ça se fait terminer en live. Eh, les gars, est-ce qu'il y a des gens dans mon clan qui veulent m'échanger... des légendaires. Je vous donne... Hey, je vous donne un méga... Non. Je vous demande une sorcière de la nuit et je vous donne un méga chevalier. Eh wesh, vous êtes chaud normalement. Normalement, vous êtes chaud. Il y a forcément quelqu'un qui veut du méga chevalier. Normalement, il y a forcément quelqu'un qui veut du méga chevalier. Eh hey, mais en fait, j'ai même pas besoin. Attendez, en vrai, j'ai même pas besoin d'utiliser mes échanges. J'ai mes jokers. Je vais avoir des jokers dans les coffres. Ah ouais, mais je vais garder mes échanges en vrai, non? J'en ai plus, rip. Ah. T'as pas autre chose? Vas-y. Oh! Ah non, rien. La sorcière de la nuit. Si vous voulez, j'ai du pêcheur. J'ai du fantôme royal. J'ai de la mamie. Archer magique, je vous en donne pas, il est trop cheaté. J'ai ça. Ah les gars, là vous avez votre bonheur. La personne a son bonheur. Là vous avez votre bonheur. Merde. Koh-Lanta, le totem maudit, le mardi 15 février. Les gars, j'ai trop hâte. Le retour de Koh-Lanta. Ça va refaire les soirées Koh-Lanta, LED rouge, sushi. Oh là là, j'ai trop hâte. Et là, je vais pouvoir vraiment mettre les LED rouges. Bah attends, mais tout le monde s'en fout. Du mineur. Putain, est-ce que je donne du mineur? Vas-y, je donne. Oh! Oh! ANR, il a accepté. Frané, il a accepté. Let's go! Ok, mais bah en vrai, les gars, de toute façon, en vrai, je vais utiliser mes jokers pour la mettre niveau 13. Et après, j'utilise le livre légendaire. Et comme ça, elle est niveau 14. Hein. On va faire ça, frère. Et bah, go. Pack opening, ma gueule. Hop là. Et merci, le joker.
On va prendre la Tesla. En vrai, la Tesla, elle est grave cheatée. Du coup, on prend géant. Gargouille ou canon, on va prendre... En vrai, le canon, il est cheaté. Le canon est très fort dans les decks, les petits decks un peu cochons, des decks comme ça. Machine volante surcheatée, frère, elle est trop forte. Sort de foudre. Très, très bien, le sort de foudre. Ok, petite légendaire de la sorcière, pourquoi pas. Ok. Pourquoi il y a eu ce bruit-là? J'ai pas compris le bruit. Zappy ou princesse? En vrai, princesse. Et le champion... La reine des archers, la reine des archers, la reine des archers. Let's go. Oh là là. Dans 3 reines des archers, je l'ai niveau 13. Ok, c'est parti. On continue. Par contre, les gars, j'espère que je vais avoir assez d'or pour améliorer les cartes. Il me faut de l'or, là. Il me faut beaucoup d'or, en vrai. Hein. Ok, zap ou géant royal en... Ah, mais du coup, mon zap, il est niveau max. Bon, on va partir sur le géant royal. Fournaise ou cochon? Mais wesh, le coffre, il fait des bruits bizarres, le coffre, frère. Il est chelou, mon coffre. Fournaise ou cochon? Fournaise, large, large. Canon, dragon, squelette, on va prendre les dragons squelettes. Ça peut... Ils peuvent être dans des decks golem un peu pour accompagner. Je suis trop fan du golem, les gars, j'ai trop hâte qu'il y ait une nouvelle méta golem. Mais wesh, mon... Mais il casse les couilles, mon coffre. Méga gargouille ou cabane de gobelin? En vrai, cabane de gobelin. En plus, bientôt niveau 12. Oh, le PK. PK, c'est cool aussi. Hein. PK, c'est très fort, frère. Je sais pas très bien le jouer, mais PK, c'est très fort. Allez, la sorcière de nuit. Merde. Let's go. Mais mon coffre, il est trop chelou, frère. Attends. Ah merde, ma story, elle s'est pas mise. Elle est en train de se mettre. Oh, bah la princesse a le bail. Bon bah tu sais quoi, pour la peine je te prends. Allez. Ok, champion, la reine des archers. Oh non. Je prends qui là? Chevalier d'or ou roi squelette? Vas-y, en vrai je prends le chevalier d'or. Ok. Oh non, j'ai pas eu de reine des archers. C'est quoi, c'est... Ah, mais c'est dans le clan. Ah, mais... Ah, il casse les couilles, frère. Eh, le clan, ils sont trop... Il a combien de trophées, lui? Est-ce qu'on le prend? Oh, on accepte. On accepte. Oh non, Chéti, il a quitté. J'ai compète. Quoi? Il va dans des clans compète. Eh, Chéti, je comprends rien, frère. Oh, du coup, il est parti, mais il va pas... Il va pas pouvoir revenir à cause de moi. Oh merde, le pauvre. Pauvre Chéti. Je suis repassé premier. Aizen, il est trop content. Eh, j'adore mon clan. Ils sont trop cons dans mon clan. Je les kiffe. Attendez, ça coûte combien déjà pour améliorer? 4000 gemmes. Ok, en vrai, je veux... En vrai, faut que je garde 10... Ah, faut que je garde plus, mec. En vrai, faut que je garde 15000 gemmes. Pour tout mon or. Donc vous savez quoi les gars, on va ouvrir encore des coffres. Et faut pas que j'oublie, faut que je garde 15000 gemmes. Ok, 70 jokers. On prend du joker, c'est carré. Gargouille ou fût à squelette? Fût à squelette, en vrai fût à squelette. Je vous jure qu'il est très fort. Après est-ce que je vais le jouer un jour, j'en sais rien. Sorcier ou 3 moumous? Le sorcier, sorcier je kiffe. Oh, électro-esprit, mec. L'électro-esprit, il est trop fort, mec. Il permet de cycler, il zappe les trucs, il est trop cheaté. Guérisseuse ou cochon, putain j'en sais rien. Vas-y, on prend les cochons. Oh, sorcière ou PK? Vas-y, en vrai PK, comme ça PK là, il va être niveau 13, bientôt niveau 14. Si un jour je veux faire un deck PK, je peux. Ok, légendaire. Allez, la sorcière de nuit, frère. Mais purée. Mais purée, je vais bouder quoi. Vas-y, en vrai on prend le fantôme royal. Et attention, en champion. La reine, la reine, la reine, la reine. Let's go, elle est là. Il m'en faut plus que deux, elle est niveau 13. Oh, yo, 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 yo. Magnifique, allez on continue. Hop là, on prend du joker. Hop là. Qu'est-ce qu'on a comme épique? Allez, on prend du petit sort de foudre. En vrai les recrues royales c'est très fort. Le gobelin sarbacane large. Oh! Oh non!
Oh, j'ai eu du golem, mais du coup, je peux pas en prendre. Bon, bah, en vrai, ça me fait 5000 or. En vrai, ça va, c'est bénef. Mais du coup, ça fait chier. Du golem. Je suis trop content. J'ai eu du golem. Ok, charrette à canon. Charrette à canon est trop forte. Et en légendaire, allez, s'il te plaît, là. Let's go. Ma petite sorcière, putain, il y a 2 heures, elle, je ne voulais pas l'avoir dans mes coffres. Et maintenant, je suis trop content. La reine. La reine, elle est là. Mec, elle est là dans tous mes coffres, elle. C'est trop d'art. Elle est là dans tous mes coffres. Je suis trop content. On continue. On a combien de jokers légendaires? On en a 5. Il m'en faut encore 4, je crois. Et quand... Ah non, même pas. Comme j'ai eu une sorcière de la nuit. Il m'en faut encore 3. Et je peux augmenter la sorcière de la nuit niveau 13. Hop là, machine volante. Esprit de glace. La moumou. En vrai, le fur barbare, c'est trop fort. Le sort de foudre. Ah, quoique. Le prince et prince ténébreux, maintenant, ils sautent au-dessus des ponts. Ils ont été améliorés. Ils sont devenus trop cheatés. Ok, légendaire, qu'est-ce qu'on a? Allez, mon pote. Pas de sorcière. Ok, c'est dommage. Vas-y, on va prendre du molos. On va prendre du molos. Eh, au fait, vous avez vu, les gars? Attention, la reine ou pas? Elle est là, frérot. Elle est toujours là. Je peux l'augmenter au niveau 13. Je suis trop content. Mais, eh, vous avez vu ou pas? Apparemment, il va y avoir une nouvelle carte. C'est un molos de lave. Mais un molos de lave trop cheaté. Qui, quand tu le tues, il devient 2 molos. Et quand tu tues les 2 molos, ça fait 4 petites gargouilles. C'est vrai ou pas, ça? Je pense pas que c'est vrai. Parce que ça m'a l'air trop chelou. C'est la même carte que le molos, sauf qu'elle coûte 1 d'élixir de plus. Et quand il meurt, ça fait 2 molos. Et les 2 molos, quand il meurt, ça fait 4 petits molos. Mais j'y crois pas, en vrai. C'est fake. On est d'accord, ça me paraît chelou. Oh là là, reine des archers niveau 13, frère. C'est parti. Putain, par contre, maintenant, il m'en faut 20. Maintenant, là, les 20, là, pour la mettre niveau 14, ça va être un peu plus chaud. Ça va être un peu plus chaud. Après, en vrai, il y a juste à mettre... Enfin, faut mettre 200 € de gemmes. Et comme ça, j'ouvre des coffres comme ça en boucle. Et comme il n'y a que 3 champions, il n'y a que 3 champions et à chaque fois j'en ai 2, j'ai beaucoup de chance d'avoir la reine. Et du coup, en vrai, ça peut aller vite. Mais il faut que je remette de l'argent. Là, je viens de mettre 500 €. On va un peu se calmer. On va un peu se calmer. Michou qui joue cancer, deck de raciste. Wesh! C'est un deck de raciste, ça, pour vous? Je m'en fous. De toute façon, c'est Walouf qui me l'a fait, donc je le joue. Oh, le gâchis de gemmes me fait pleurer, là. Ouais, c'est vrai que là, je gâche des gemmes. Parce qu'en vrai... Utiliser des gemmes pour avoir de l'or, pour améliorer les cartes, c'est pas rentable du tout. En vrai, les gemmes, c'est trop fort de faire des super défis. Tu mets 100 gemmes, tu fais un super défi, t'essayes d'avoir 6 victoires, t'as tellement d'or que ça te rembourse les 100 gemmes. Mais j'avoue que je fais un peu du gâchis de gemmes, mais bon. Tant pis, hein. Pour le molos, c'est vrai, je crois. Attendez, à skip, si on va à l'arène 11, on voit qu'il va y avoir une nouvelle légendaire. C'est où l'arène 11? Ça, c'est arène 13. Mais c'est pas vrai, les gars. Il n'y a pas de nouvelle légendaire. Ah, si! Disponible bientôt. Oh. Ça veut dire quoi, bientôt? Ah ouais, attendez. En plus, c'est dans la même arène que le molos. Mais vous pensez que c'est vrai? Le clan... Les gars... C'est vrai ou pas? Que la new carte, c'est un molos enragé. C'est vrai ou pas? On va voir ce qu'ils disent. Allez, pendant ce temps-là, on ouvre un coffre. Les gars, j'aime trop ouvrir des coffres! Let's go, je suis blindé aux as! Ok, c'est parti. On prend du fripon. On prend de l'artificière. J'aime trop ces coffres-là parce qu'en plus, tu fais des choix. Je trouve ça trop cool. C'est trop captivant ouvrir ces coffres. Il est trop trop bien. Vas-y, cabane de gobelins, je vais voir passer niveau 12. Oh, la tornade. La tornade, on la prend. La tornade est très très cheatée en vrai. Hein. Si tu sais bien la jouer, elle est trop forte. Sorcière de nuit. Ok, pas de soucis. Eh, la princesse, je l'ai souvent. Hein. Elle m'aime bien. Hein. Elle m'aime bien celle-là. Vas-y, on va la prendre. Et en légendaire, reine des archers. Let's go. Bam.
Lundi, il y a le nouveau pass royal, tu auras le livre ultime. C'est vrai ou pas? Ah putain, j'avoue, s'il y a un nouveau pass royal lundi, parce que oui, là, il va y avoir une nouvelle saison bientôt. Si dans la nouvelle saison, je peux avoir un livre ultime, et que du coup, là, je prends la reine, mais au final, j'utilise le livre ultime sur la reine. Parce que là, j'ai pas de livre ultime. Mais si j'en ai un lundi, et que du coup, là, je suis en train d'en prendre pour rien, je vais avoir le seum. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est sûr qu'il y aura un livre ultime dans le... Dans le pass? C'est pas sûr qu'il y aura un livre ultime. Parce que s'il n'y a pas de livre ultime, je vais avoir le seum de pas en prendre. Oui, il a raison, donc prends méga chevalier. Non, en vrai, je prends pas. Et au pire, si j'ai un livre ultime, bah je l'utiliserai sur le chevalier d'or plus tard. Hein. Si c'est sûr. Non, c'est pas sûr. Il y en a tout le temps. Si, il y a toujours. T'auras jamais 20 reines. Il y a toujours un livre. À chaque fois, il y en a un. Ok, bon, les gars, je prends du chevalier d'or. Mais j'espère qu'il y aura un livre ultime. Bon, du coup, si lundi il y a un livre ultime, ça veut dire que je mets ma reine niveau 14. Mec, je vais être trop fort. Mais mec, je vais être trop fort, hein. Ok, petit dragon squelette. Recrue royale, ça fait plaisir. Méga boule de neige. On va prendre les électrocuteurs. En vrai, en défense, ils sont trop forts. Prince ténébreux, j'aime bien aussi. Attention, légendaire, la petite sorcière de la nuit. Pas du tout. Archer magique, je le prends direct. Il est trop cheaté. Et du coup, du chevalier d'or, pourquoi pas, hein. Bon, bah, let's go. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, vas-y, je le prends lui. Comme ça, lui, je pourrai le passer niveau 12 aussi. Ok, je crois, les gars, que j'ai assez pour... Ouais, j'ai 7 jokers. Let's go. Sorcière de la nuit, niveau 13, mon gars. Sorcière de la nuit, niveau 13. Oh là 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 là. Mais du coup, regardez, ouais. Là, j'ai pas d'objet magique pour elle, parce que le livre légendaire, ça marche pas sur les champions. Mais par contre, le livre légendaire, bah, ça marche sur la sorcière de la nuit. Donc, sorcière de la nuit, niveau 14. Oh, mec, là, j'ai un électro cheaté, hein. Bah, en vrai, là, je vais améliorer toutes mes cartes, les gars, non? Oh, ça coûte cher. Oh, ça coûte cher. Oh, là, je fais du gâchis d'élixir, hein. Oh, bon, je suis trop content. Eh, mais je pense que les gars, améliorer ses cartes sur Clash Royale, ça donne de la dopamine dans le cerveau. Ça fait que ton cerveau il fait de la dopamine et ça te rend heureux. Je pense. Non, parce que pour de vrai, là je suis trop heureux. Mec, là j'ai un vrai deck. Hein. Là j'ai un vrai deck. Deck fait par roi le ouf. Là c'est incroyable. Du coup, ils disent quoi par rapport au nouveau Molos? Normalement, oui. Oui à skip. Ah ouais? Mec, en vrai, c'est des mecs à 8000 trophées qui disent oui. Hein. Donc je pense qu'ils disent pas de la merde. Oui, il aura moins de points de vie que le Molos actuel et il coûtera 8 élixirs. Donc c'est vraiment vrai. Oh, il y a Piware! Nouvelle saison, je pense. C'est pour un défi le Molos à skip. Ça m'étonnerait pas. Ah ouais, trop cheaté pour le ladder. Leak Royal a dit que c'était un bug, le Molos, et que c'était juste pour un défi. Ah, donc apparemment, les gars, la nouvelle légendaire... C'est un bug qu'elle a été... Parce qu'apparemment, elle avait été affichée dans le jeu. Mais apparemment, c'est un bug. Et du coup, ça a été utilisé. Et du coup, c'est pour un défi. Si c'était réellement un bug, il l'aurait réglé. C'est vrai. Après, ouais, je pense qu'ils disent c'est un bug pour pas spoil. Mais du coup, apparemment, il va y avoir un nouveau Molos. Bah, on verra. On verra, on verra. Oh, mec, j'ai tellement de cartes niveau max, putain. C'est un truc de fou. Du coup, il me reste 10 000 gemmes, les gars. Sauf que j'ai plus besoin de garder de gemmes, puisque j'ai tout amélioré. Du coup, on va continuer, frère. On peut ouvrir... Vas-y, on en ouvre encore deux. Les deux derniers, les gars. C'est les deux derniers. Comme ça, je garde quand même 5 000 gemmes. Je suis bien. Je peux faire des super défis à gogo. Allez, les deux derniers coffres. Barbare ou Horde de Gargouille. En vrai, Horde de Gargouille. Méga Gargouille de loin, frérot. Bientôt niveau max. L'artivisière que je vais voir passer au niveau 12. Ça, ça fait plaisir. Les électrocuteurs, je les trouve trop forts. On les prend. Mon Duelist, il est déjà niveau max. Donc, on prend le poison.
Allez, bah du coup pas de sorcière de la nuit. Du coup je veux plus de sorcière de la nuit. Mec, ce pack opening il va trop vite. Vas-y, en vrai le mineur il est très cheaté. Et en champion, eh ben on va voir ce qu'on a. Oh mais j'ai encore chevalier. Mais eh, en vrai, heureusement que je veux plus de reine des archers. Parce qu'il y a un livre ultime lundi hein. Parce que sinon j'aurais eu le seum hein. J'aurais été en mode deux fois d'affilée, elle est pas là. Mais du coup chevalier d'or. Allez, ça part. Magnifique. Le dernier coffre les gars. Le dernier coffre de Spark Opening. C'est parti mon frérot. Monkey Gamer, on va sur T5 francs suisse. Merci les gars. Enfin T5$ canadiens. Merci pour tous les dons, tous ceux qui mettent des pouces bleus, tous ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup les gars. Hop là. Hop là. Magnifique. Petit joker légendaire. On va prendre du mortier. J'ai un peu le seum. Ou on prend les dragons squelettes. Géant royal, je le trouve nul hein. Je le trouve trop nul le géant royal. Il a pas assez de vie. Fournaise. Fournaise trop cheaté. Non mais parce que l'Arkix il est pas très bon. C'est pas que j'aime bien lui, mais c'est que l'Arkix il est pas très bon. Ok, on prend du bourreau. Légendaire, attention, qu'est-ce qu'on a? Ah. Ok, bah du coup on va prendre la bûche. Après je peux avoir 20 000 or quand même. Je peux avoir 20 000 or en vrai. C'est quand même cheaté 20 000 or. Ouais non, on va prendre la bûche. Ok, et champion. Chevalier d'or. Putain, je te jure, ça me rend triste de l'avoir et de pas la prendre. Allez, chevalier d'or. Si lundi, il n'y a pas de livre ultime, par contre, les gars, je vous en voudrai. Et bah, les gars, fin du pack opening, hein. Fin du pack opening. On a un nouveau deck fait par Waleouf. Je pense que là, les 6300, on peut les atteindre. Déjà, je suis passé niveau 14. Mon deck, c'est un nouveau deck un peu plus méta. Je pense que là, on peut aller à 6300 trophées. Allez, c'est parti. C'est parti. Intense ce pack opening. Mais là c'était giga pack opening hein. Ah là les gars, c'était big pack opening. Attendez, je viens d'avoir un message de Waleouf. Oh Waleouf, il m'a dit il y a un livre ultime lundi, ne t'inquiète pas. Je suis trop content. Oh je suis trop content. Mais les gars, c'est mon jour de chance. C'est mon jour de chance. Et le prochain live, tu me dis on se fait ça. Ok magnifique, il m'a envoyé une demande. Attendez, je vais juste accepter sa demande les gars sur mon tel. Putain le crack. Waleouf. Du coup là Waleouf, t'es dispo ou pas pour Oh j'ai Waleouf dans mes amis les gars. J'ai Waleouf dans mes amis. T'es dispo ou pas pour tenter de jouer le deck et je te regarde faire comme ça j'apprends à jouer. T'es marre, regardez les gars. Ami Waleouf. Il est là vrai, il est là. Il m'a dit quoi? Il m'a dit oui, je suis dispo. Bah magnifique. Et bah Waleouf, j'attends que tu playes et je te regarde jouer, je regarde un peu les moves que tu fais et tout. Putain, mais frérot, mec, on est 15 en ligne dans le clan, c'est trop beau. Et combien de GM notre clan là? Parce que j'ai vu Waleouf, il est dans le Gotha Gang. Je suis pas très content, il est chez la concu. Putain, ouais, je comprends. La concu, elle est 4ème quand même. Ok, attends. Ah, il a lancé, il a lancé, il a lancé. Allez, les gars, on va regarder. Les gars, il y a Waleouf qui joue mon nouveau deck. Il m'a créé mon nouveau deck. Là, il est en train de le jouer. On va analyser un peu comment il le joue. Et on va voir. Il est en game quoi là? Il est en game de super défi je pense. Ok. Il est contre un deck ça ressemble à un bon deck cochon ça. Ah non, ça c'est un lockbait. Je pense qu'il est contre un deck lockbait. Ok. Donc la petite sorcière de la nuit, petite archère. T'as à dire que toutes ces cartes je les ai niveau max sauf la reine. Pas encore. Pour l'instant j'ai l'impression que ça attaque juste le terrain hein. Oh le mortier. Wesh, il compte un deck mortier. Ok, l'armée de squelettes, histoire de tempo un peu le mortier. Oh, les barbares d'élite sur le mortier, bah oui. Ah bah oui. Tu veux qu'il fasse quoi là? Oh. Attends, mais là, les barbares d'élite, ils vont taper, non? Oh là, le mec, il est en train de mettre trop d'élixir. Attends, mais il est trop fort. Bah attends, mais il est trop fort. Bah attends, mais c'est magnifique. Les gars, on a un deck de fou. Après là c'est Waleouf qui le joue aussi. Après ça va être moi, ça va être pas pareil. Oh le golem qui est lancé. Le golem qui est lancé direct hein. Oh il a pas attendu. Après il sait qu'en face il a utilisé trop d'élixir là. Donc il savait qu'il était bien en élixir et qu'il voulait lancer le golem. En plus golem contre un deck mortier mec. Du coup il met la sorcière de la nuit loin derrière. Ok, ça je savais pas. Donc si tu accompagnes le golem avec une sorcière de la nuit, tu la mets loin derrière. Ça je savais pas. Oh l'armée de squelettes de l'autre côté. Du coup il est obligé de défendre. En plus ça va niquer le mortier. Ah ouais mais du coup en fait la sorcière de la nuit elle a généré plein de chauves-souris.
Oh là là. Et la reine des archères de l'autre côté qui est invisible, qui gratte la tour. Mais attends, mais wesh. Mais wesh, il lui a roulé dessus là. Les barbares d'élite au milieu. Ouais, là c'est vraiment, là il attaque hein. Là ça y est, il a fini la défense. Mais attends, mais il l'a éclaté là. Mais les gars, le deck il est monstrueux. Ok. Il y a le petit mortier qui a été mis au milieu. Mais défendu avec la sorte. Oh là là, bah le golem sur le mortier. Bah alors là. Bah alors là frérot, bonne chance. À la sorcière de la nuit qui meurt, dommage. Le petit zap. C'est quoi là qu'il a pas joué encore? Ah, c'est la boule de feu. C'est vrai que la boule de feu il l'a pas encore joué. Bah là le mortier, bonne chance frérot. Oh la roquette pour défendre la reine des archers carrément. Oh mec, le mec en face il panique hein. Mais mec, il lui a roulé dessus en vrai hein. Au final ça passe. Au final il y a que 1-0 tu vois. Sauf que il a pas été dans la merde une seule fois hein. Il a vraiment dominé. En fait c'est pas un deck si défensif. C'est un deck où quand même faut mettre la pression à l'ennemi, j'ai l'impression. Moi dans ma tête ça aurait été plus un deck pour défendre. Parce que t'as vu golem, moi golem, ma strat quand je joue golem c'est je défends toute la game. Et en fin de game je mets mon golem et j'attaque avec. Ok, la boule de feu sur la cabane. Pourquoi pas. Le zap qui touche la tour aussi. Oh, cabane de bas. Ah, il est contre un deck spawn. Mais attends, mais il joue contre des decks chelous, frère. Ah, mais je suis mort. On voit, il a une victoire et zéro défaite. Vous croyez qu'il fait un 12 victoires avec ce deck ou pas? Ok, là, il attaque pas, là. Pour l'instant, il défend. Mais wesh. Oh le golem. Oh il a vu qu'il avait posé la fournaise en face. Il s'est dit il a plus de bâtiment pour défendre mon golem. C'est le moment d'attaquer. En plus du coup le golem il a couvert la sorcière de la nuit. La sorcière de la nuit elle est en train de faire spawn plein de chauves-souris. Mec par contre il a un peu gratté l'ennemi à droite hein. Ah là je pense que ça va être un combat compliqué là pour lui hein. En vrai là je vois pas comment il peut un peu gagner. Parce que le problème du deck golem, c'est que c'est un deck lent à attaquer. Et en face, c'est un deck spawner. Donc c'est un deck qui s'installe. Ça veut dire si le golem il est trop lent à attaquer, lui il va s'installer en face. Je sais pas si je dis de la merde, mais oh. Oh l'archer. Mais hey, mec, la reine des archers, si elle est pas défendue. Oh. Mais gros, elle fait limite tomber la tour. Est-ce qu'il va mettre un golem là? Je pense. Je pense qu'il met la sorcière de la nuit pour attendre et mettre le golem. En vrai, il a réussi à bien gratter, hein. Oh, il met le golem au fond, au final. Ok. Ok, ok. Putain, la fournaise avec la cabane de gobelins. Mec, l'autre, il a même plus de cartes à poser. Oh là là. Le sorcier il s'est fait exterminer, zap boule de feu. Ok, l'armée de squelette qui a été mis au bon moment parce que j'allais dire il va se faire défoncer. Le golem qui pète sur la tour. Eh ça devient tendu là hein. En vrai il arrive à gratter hein. Je pense là il met une sorcière de la nuit loin. Comme ça après il met golem au pont si je suis pas con. Voilà. Et là ça va faire mal. Et là, je pense que là... Ouais, là, ça va faire mal. Hein. Là, le mec en face, il est obligé d'utiliser ses bâtiments pour défendre. Donc, il peut plus s'installer. En vrai, il a géré. Hein. Oh là là. La reine invisible. Elle fume le sorcier. Oh, même pas, c'est dommage. Eh, mais en vrai, attends, il arrive pas à passer. Hein. En même temps, d'exponeur, c'est relou. Hein. Eh, d'exponeur, c'est trop relou à jouer. Enfin, jouer contre un exponeur, c'est trop relou. Par contre, c'est trop satisfaisant à jouer, je trouve. Quand tu vois toutes tes troupes s'accumuler, là, c'est trop refait. Oh, la bonne boule de feu sur la mamie sorcière. En vrai, là,
Là, moi, je serai lui. Je sais pas, c'est ce qui... Oh, les barbardés, j'avoue, il les a pas joués. Là, moi, je serai lui. J'essaye de cycler ma boule de feu. Parce que là, il boule de feu deux fois, il a gagné en vrai. Est-ce que c'est ce qu'il va faire? Je sais pas. Ouais, je pense. Regardez, il met une sorcière de la nuit de l'autre côté pour défendre. Il met le golem ici histoire de tanker et en même temps le golem il part en attaque. Ah non, je sais pas si. En vrai, non. Ah, en vrai, non. Il essaye pas de le finir à la boule de feu. Aïe. Oh, le bon zap. En vrai, il va le finir autant. Hein. Ah, l'ennemi il essaye d'utiliser le poisson un peu, le poison un peu pour gratter. Golem défensif. J'aime bien moi faire ça. Le golem au milieu juste pour défendre, pour casser les couilles. Ok, là il gratte à la boule de feu. Il a vu que l'ennemi il essayait de le gratter au poison, du coup il gratte à la boule de feu. Bah c'est bon là, en vrai il a gagné je pense. Putain, c'est quoi ce combat frère? Il est interminable. Oh, la boule de feu. Et le zap. Et c'est la victoire pour moi, le ouf. Putain. Ah ouais, sacré combat hein. Putain, bah GG hein. Par contre, il enchaîne les victoires. Donc comme quoi le deck. Mais c'est bien parce qu'en vrai là je le vois jouer contre trop de decks différents. Et du coup enfin les deux decks ils étaient grave différents. Du coup j'essaie un peu de comprendre. On se regarde encore un ou deux combats et après j'essaye de le jouer. Ok, il y a un bourreau, mais des petites archères font de map. Après c'est dommage, je vois pas sa main de départ. Parce qu'après ce qu'il fait ça dépend aussi de sa main de départ, tu vois. Ouh, le bouliste bourreau. Ok, c'est chelou ça. Là moi je mettrais un peu les barbares d'élite je pense. Ah, même pas. Ouh. Aïe. Ok, en vrai il a pas défendu énormément par contre, voilà. Par contre là il balance le golem. En face, il n'y a plus d'élixir pour essayer de renvoyer un push ou de défendre. Donc là, le push qu'il va envoyer, ça va faire mal. Mais par contre, j'avoue que moi, j'aurais mis les barbares d'élite pour défendre, mais... La preuve que c'était pas le bon truc à faire, hein. Il s'est fait prendre 1000 PV, mais là, il va envoyer un contre-push, mon gars. Ah, il y a le PK. Ah, comment il va faire? Oh, attends, mais mec, c'est trop intéressant. Il n'y a que des... Oh, ben oui. C'est un génie, frère. Du coup, le golem, il passera peut-être pas, mais les barbares d'élite, ils sont passés, frérot. Oh mais gros, c'est un génie. En plus il avait son zap dans sa main au cas où s'il mettait une armée de squelettes ou quoi. La reine des archères, il va la rendre invisible je pense. Ah, même pas. Putain, il connaît trop bien. Il connaît trop bien. Moi là j'aurais pensé que la reine des archères se serait fait tuer. Mais même pas. Il a juste utilisé un zap. Là il la rend invisible comme ça, elle détruit le bouliste. Mec trop fort. Mec, il est trop fort. Hein. Eh, Walouf, il est trop fort. Le mec en face, il chicale. Frérot, tu sais pas, t'es contre qui? Il y a une vidéo qui va sortir pour l'anime d'Inox. Ouais, bah demain sur la chaîne d'Inox, c'est... Oh, attends. Oh, il push pour les trois couronnes, là. Attends, il lance le push pour les trois couronnes. Par contre, le PK. Oh, PK cimetière. Bah, il met. Il va mettre le zap sur le. Ah, même pas l'armée de squelette, j'avoue. Putain, mais il a trop bien défendu. Je suis choqué, wesh. Et du coup, de l'autre côté, mec, il y a un golem sorcière de la nuit pas défendu. Oh, la sorcière de la nuit, elle va se faire buter, c'est dommage. Ok. Ok, les barbares d'élite au milieu qui ont pas pu être défendus. Bah là c'est 3 couronnes hein. Ah, même pas. Est-ce que vous pensez y 3 coucou? Non, c'est pas possible. Ok, la sorcière de la nuit qui lave. Mec, elle a lavé toute la map. Et en vrai, il y a moyen de 3 coucou là. Petite boule de feu. Est-ce que ça passe? Ah, ça passe pas. Oh, dom. Mais attends, mais il est trop fort. Mais il est trop fort. Walouf, je regarde encore un dernier combat. Après je joue, parce que j'ai envie de jouer là. Dernier combat Walouf. Attends, je vais lui dire. T'es un monstre wesh. Il est trop fort. Dernier combat. Après je tente de jouer. Ok, c'est parti.
Ok. Armée de squelettes. Il a mis une armée de squelettes agressive pour voir avec quoi il défendait. Mais par contre, du coup, il a défendu avec la tombstone. Et voilà. Du coup, il envoie le golem et il aura rien pour défendre le golem. C'est un génie. C'est un génie. Par contre, là, ça peut faire mal. Oh, il a trop bien défendu. Attends, mais il est trop fort, wesh. Il a utilisé la boule de feu pile au bon moment. Wow. Poison là, je suis pas sûr qu'il soit. Ah, quoique. Bah non, en vrai. Parce que la sorcière de la nuit a resté en vie. Les chauves-souris avons fumé le bébé dragon. Oh, je sais quel deck il joue. Je pense qu'il joue golem. Ah non. Il joue quasiment. Oh, mais elle, elle va faire trop mal la reine des archères. Putain, mais wesh. Il a envoyé un push, il a foudroyé sa tour. Ok, les barbares d'élite. La tombstone qui est mal placée. Le barbare d'élite qui prend la tour. Et les barbares d'élite font trop mal, wesh. Mais il est incroyable ce deck. Hein. Il a détruit sa tour et ils ont le même nombre d'élixirs. Mais si, et en vrai, il y a moyen qu'en face le mec joue golem. Parce que vous savez. Ah non! Ok. Parce qu'en vrai, son deck, il ressemblait au deck. Au deck que je jouais. Le zap là. Ok, zap un peu tard, j'ai l'impression quand même. Hein. Ah là, il a pris cher. Hein. Moi, en général, j'utilise les archères pour défendre le cimetière. Ça marche quand même bien. Lui, je sais pas pourquoi il utilise l'armée de squelettes. En vrai, il connaît mieux le jeu que moi. Donc, je pense que le mieux, c'est de jouer l'armée de squelettes. Mais. Ok, il a envoyé un golem bien agressif. Le golem qui va bien taper. Ah là, il joue les archères. Avec les BBE pour tanker. Mais du coup, la tornade. Ah, comme quoi, eh, ça a trop bien défendu. Hein, eh, voyez, en vrai, les archères. Après, peut-être qu'il les avait pas tout à l'heure. Mais les archères pour défendre le cimetière, ça passe trop trop bien. Le poison, et ça suffira pas. Et je pense. Ah, le cimetière qui est envoyé. Ok, bah il a les archères. La tornade, il a remis l'armée de squelettes pour être sûr. Et c'est magnifique, c'est encore une victoire de Wallowouf. Incroyable. Ouais les gars, il y a un bug. À chaque fois, ça me met, j'ai un ou quatre spectateurs. Du coup, je sais pas combien vous êtes. Mais merci d'être là. Putain, bah Wallowouf, quel crack, hein. Ok, les amis. J'ai eu l'entraînement de Wallowouf. J'ai eu l'entraînement de Wallowouf. Il a joué ce deck qui m'a fait. On a bien vu comment il le jouait. Et bah, j'ai envie de vous dire, ça va être à moi de le jouer. En game classé, on va tenter les 6300 trophées. J'aimerais bien passer à 6300. Je pense qu'on peut le faire. Je pense que ce deck est pas mal. Et même très fort. Donc, j'ai pas d'excuses. On va voir ce que ça donne. J'ai pas d'excuses, les gars. Je suis niveau max. Il m'a dit bonne chance, BG. Oh, le boss. Là, les gars, j'ai toutes mes cartes niveau max. Sauf la reine des archères. Mais même moi, je suis niveau max. Je pense que ça peut être pas mal du tout, là. Allez, c'est parti. Bonne chance. Oh là 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 là, j'adore. Je suis niveau 14, frérot. Ok, sorcière de la nuit. Oh, il joue golem d'élixir. Je panique. Je sais plus quoi faire. Vous pensez je golem ou pas? Non, parce que là, le problème de golem. Oh merde, non. Je l'ai mal placé, ma reine des archères. J'aurais dû la placer un peu vers le golem d'élixir. Putain, merde. Le golem d'élixir, on est d'accord, il fait pas de dégâts quand il pète. Non, il fait pas de dégâts. Si, un peu, je crois. Ok. Ok, on est à peu près à égalité. Je sais pas si j'ai bien défendu. Je pense que j'aurais pu mieux jouer. Je pense que j'aurais pu mieux jouer. Mais. Et bah, du coup, moi je vais golem. Hein. Il joue golem d'élixir. Donc, je sais que là, il va pas me sortir un cochon. Oh, zappi par contre. Ok, il a zappi pour défendre mon golem. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hop. Petite sorcière de la nuit fond de map. Comme ça, elle génère des chauves-souris. Je zappe pas, je zappe après. Oh le mauvais zap. Oh le mauvais zap. Le zap mal timé. Ah j'ai le seum.
Du coup, il a trop bien défendu mon golem, je suis dégoûté. Oh, le bâtard. Oh non, j'aurais dû mettre l'armée de squelettes. Oh, let's go! Let's go, j'ai trop bien joué. Enfin, je me suis trop bien rattrapé. Je me suis trop bien rattrapé. Mais vous pensez que je golem là? Je golem. Putain, je joue mal, les gars. Aïe. Non, je suis pas mon. Putain, j'ai le seum. Ah, le chien. Oh non, il prend ma tour, je suis dégoûté. En vrai, les gars, là je dois reconnaître que j'ai quand même très mal joué. Hein. Putain, mais ces gargouilles, elles me rendent fou. Aïe! J'ai oublié! Les gars, je joue trop mal. Non, je joue trop mal, la fine honte. Je fais n'importe quoi, les gars, je suis débordé. Ça compte pas, ça compte pas, cette game compte pas. Cette game compte pas. Je jouais en stressant, cette game ne compte pas. Alors Eh mais en vrai je me rends compte, jouer un deck que t'as pas l'habitude de jouer, c'est vraiment grave dur. Parce que du coup, il y a des cartes que normalement je sais trop bien défendre. Et ben là j'étais en mode attends, je mets quoi, c'est quoi là le meilleur, et du coup je faisais n'importe quoi. Mais en même temps là je jouais après ouais, le ouf. Donc je savais c'était compliqué. Là normalement j'aurais dû zap. Et merde. Pour moi il n'y avait pas besoin de zap. Toi viens là. Hop là. Oh là là. Oh le bon moment. Alors là je sais pas ce que je fais, si c'est bien, mais j'aime bien faire ça moi. Un golem qui permet de tuer son attaque. Et après j'ai un golem, mais du coup je vais pas pouvoir bien l'accompagner. Mais il a bien défendu, tu vois ce que je veux dire. Moi j'aime trop faire ça. Là j'ai peut-être un peu trop attaqué. Ouais là j'ai trop attaqué. On va s'en servir la nuit, on va se faire défoncer. Ah quoique. Let's go. Ok. Ok, je lui ai fait mal en vrai. Bonne défense, non? Ça m'a l'air pas mal. Oh non! Oh ça! Est-ce que ça va utiliser l'élixir du coup? Non. Attends, mais. Oh le bâtard! Attends, parce que là je suis dans la merde. Oh j'aurais du boule de feu, non? Oh le chien. Oh là, il m'a fait mal. Mais wesh! Oh les gars, je suis débordé, j'ai plus d'élixir. Oh sa mère. Là, il m'a niqué. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, les gars. Oh mais wesh. Aïe aïe aïe. Non. Non. Mais c'est pas possible, je suis une merde ou quoi? Mais attendez les gars, je sais pas jouer. Attends mais je suis choqué, comment je sais pas jouer là? Oh attends. Là c'est un peu lui qui est débordé mais. Oh fais chier, il a trop ce qu'il faut. En vrai j'aurais dû mettre les barbares d'élite du même côté que le golem. De toute façon il me faut deux tours, c'est mort. Je suis con, j'ai oublié, j'ai perdu mes deux tours. Pas d'excuses. Non mais en fait les gars, le problème c'est que je joue après ouais, le ouf. Du coup j'ai une pression. J'ai une pression supplémentaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Merde.
Attendez, là, là je joue comme si c'est le deck que je joue depuis 10 ans. Je sais quoi faire. Faut, en fait, faut que j'arrête d'hésiter avant de poser mes cartes. Ok, artificière, 3 d'élixir. Moi, je mets une reine des archères, 5 d'élixir. Pas de soucis, la reine des archères. Aïe, il va me la tuer ou pas? Eh, tu sais quoi, frère? Je vais jouer comme j'ai l'habitude de jouer. En vrai, je peux me permettre de placer un golem parce que j'ai l'armée de squelettes. Et l'armée de squelettes, elle peut trop bien défendre. Ok. J'arrive pas à savoir ce qu'il joue, le mec en face. Ah bah tiens! Ah bah tiens! Ah bah tiens, voilà quelqu'un! Est-ce que je... machin défensif? Non. Par contre là, mon pote, vous allez pas la toucher, ma reine. Putain, il a trop bien joué sa boule de feu. Est-ce que je barbare d'élite? Je barbare d'élite. Et si jamais j'ai un zap? Est-ce que j'ai bien joué mon zap? J'ai mal joué mon zap. Oh, si ça tape en vrai. Ok, ok. Ah, si ça a bien tapé. Eh, les barbares d'élite, ils font vraiment mal. Hein. Je défends son. Non, je vais pas défendre son bombardier. Je sais pas s'il fait mal lui déjà. Je pense qu'il meurt vite, donc ça va. Ouais, voilà, il envoie. Ouais, ça passe. Ok. Là, ça va faire un petit combat de golem là. Hein. Ah, j'aime bien! Combat de golem, mon gars! Hop là, la sorcière de la nuit, elle va générer. Oh, il joue comme moi, j'adore. Hop là, juste pour le déborder. Je sais pas si c'est un bon truc. Ok, c'était pas méga ouf ce que j'ai fait. Aïe. Ah. Oh non, j'ai paniqué. Oh, fais chier. Oh, vas-y. Oh, vas-y, j'ai le seum. J'ai pas défendu et du coup, vas-y. Putain, je suis obligé de défendre son golem, mais du coup, j'attaque pas. Oh, merde. Mais comment j'arrive à être tout le temps aussi débordé, gros? La vie, je me fais tout le temps déborder. Trois défaites d'affilée, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Putain, j'étais tellement heureux, mec. J'avais un deck, je me disais, c'est bon, j'ai gagné. Je fais trois défaites d'affilée. J'ai envie de pleurer. Attends, il m'a envoyé quoi? Tu défends pas assez avec les BBE. Tu joues avec une nouvelle carte qui est la reine. Et je vois que tu veux tout le temps la jouer MDR. J'avoue que je la pose tout le temps, la reine. La reine, je la pose tout le temps. Ok, je défends pas assez avec les BBE. Ok, ok, c'est noté. Ok, c'est noté, merci Walouf. Il analyse un peu mes games et il est en train de me conseiller. Tain, c'est un crack, hein. C'est un crack, ok, on va voir. J'avoue que j'ai envie de tout le temps la jouer, la reine des archers. Bah, tu sais quoi, je vais la jouer dès maintenant. Ok, on va voir ce qu'il joue. Est-ce que je peux me permettre de jouer le golem ou pas? Ok, il a boule de feu. Je vais attendre un peu. Là, il va mettre un truc. Bon. Oh, le pouvoir au bon moment. Oh, ça gratte la tour. Oh, là, un délixir, il a été rentable. Non, j'ai bien fait. Oh merde. Et bah là mon pote, je défends pas assez avec les BBE, c'est noté. Bah magnifique. Les BBE, ils ont défoncé l'Arkix. Vous pensez que ça c'est bien? Armée de squelettes pour accompagner un golem. Oh, il a mal joué sa bûche là. Bah au final c'est pas dégueu hein. Ouais, c'est pas dégueu. T'es mal au petit squelette? J'aurais peut-être dû zap même. Comme ça, le squelette, il aurait fumé son archère et il aurait gratté la tour. Là, je suis pas mal, là. En vrai, contre un deck Arkix, normalement, je suis obligé de gagner.
Ok, sorcière de la nuit. Est-ce que j'attends et je balance un golem au pont? Parce que là, il va pas s'y attendre. Mais c'est quoi le ouf? Des fois, il faisait ça, mais est-ce que c'est vraiment bien? Je le fais, tant pis. Faut pas... Oh, merde. Boule de feu bûche, ça la tue. Fait... Oh, j'aurais peut-être pas dû envoyer la reine des archers, là. C'est vrai que je la joue tout le temps. Attention, là, elle va faire mal. Oh non, il a mis le chevalier au bon moment. Ok, 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 ok. En fait, je joue pas assez les barbares d'élite. J'ai pas zappé au bon moment, c'est pas grave. T'as les barbares d'élite, ils démontent son arc-x. Hein. Ça va gratter un peu. C'est pas grave. Ouais, là, j'ai gagné. Là, j'ai gagné, les gars. Oh, le bâtard, il va bûcher. Oh non. Reviens, Tesla. Let's go. Est-ce que je BBE de l'autre côté? En vrai, il a utilisé tous ses squelettes et tout. Putain, mais wesh. Il me rend fou à cycler comme ça. Ah, par contre, non. Du coup, là, il va Arc-X, là. Ah, en vrai, attends, mon barbare d'élite, il fait mal, hein. Attends, mon barbare d'élite. Mais wesh. Oh, il a trop le seum. Mon barbare d'élite, il l'a démonté, frère. Bah là, je... en vrai, j'ai plus qu'à boule de feu zap. Mais j'ai même pas envie. J'ai envie de le fumer à la loyale. J'ai envie de le fumer avec mon golem. Ouais, il a compris qu'il avait perdu. Ok, let's go. Ma première victoire avec mon nouveau deck. Let's go. Et là, vous allez voir. Là, ça va être que des wins, les gars. Là, vous allez voir. Ça va être que des wins. Il suffisait quoi, Louf, il m'envoie un petit message et c'est gagné. Ok, vous êtes prêts ou pas? Bonne chance. Merci. Bonne chance. Ok, petite sorcière de la nuit, fond de map. Je sais pas si j'ai bien fait. Putain, ça m'a fait chier, ça, quand même. Ok, petite bûche. Toi, tu dégages. Eh, je l'aime vraiment pas. Hop là. Oh, du coup, la sorcière de la nuit qui va gratter. Oh, magnifique. Il a utilisé sa bûche tout à l'heure. Oh là là, mais là, c'est pas... Eh, là, c'est pas dégueu, là. Comment il va défendre? Ok. Bien défendu, en vrai. Il est bon. Hop là, j'envoie un golem. Allez, il a plus son cochon. Il va essayer de le cycler, vous croyez? Oh, dommage. Le golem, il aurait un peu plus avancé. Ça aurait activé ma tour du roi. Pourquoi il utilise sa bûche dans le vide? Il est trop con. Il sait que j'ai l'armée de squelettes. Tabarn, j'aurais dû mettre ma sorcière de la nuit depuis longtemps. Eh, je vais la mettre de l'autre côté. Oh, le bâtard. Putain, j'aurais dû la boule de feu depuis le début. L'artificière, elle a trop fait le taf. L'artificière, elle a trop bien défendu. En fait, j'ai mis la reine des archers pour rien. Je l'ai mis, mais du coup, j'ai pas assez accompagné mon golem. C'est pas dégueu, là, les gars. En vrai, je suis en train de gagner, hein. En plus, je sais qu'il joue cochon. Donc, il arrivera pas à me surprendre. Ok, barbare d'élite, c'est parti. On va voir comment il va défendre ça. Hop là. Mon zap, il était peut-être en trop, non? Oh, quoique. Ah. Au moins, il a dû beaucoup défendre. Par contre, là, s'il met un cochon derrière, ça va être relou. Et c'est ce qu'il va faire. Ah non, il le met devant. Ok, les squelettes, ils ont eu le temps de défendre. Hop là, le golem devant. Eh, j'aime trop accompagner mon golem avec des archères. Toi, tu dégages. Aïe, aïe, aïe. Ah, là, il a eu le temps de tirer, j'ai le seum. Ma sorcière de la nuit, je la joue mal, je pense. Mais wesh, il me rend ouf avec son artificière, là. Eh, il cycle trop vite son deck. Oh, attends, ça va gratter quand même. Oh, ça gratte. Je sais pas si j'ai bien joué, là, moi, mes squelettes. Oh, le bâtard. Merde. Je
l'ai trop laissé me gratter là. Oh, j'ai le seum, mais je pensais pas que le cochon il allait faire aussi mal. Oh, j'ai pas assez défendu le cochon. Mais d'où le cochon il fait aussi mal, frère? En plus là il va vouloir me gratter au foudre cochon. Oh non. Non, je vais perdre comme ça, j'ai trop le seum. Oh, j'ai trop le seum. Dis-moi qu'il rate son foudre. Mais wesh, mais le cochon, d'où il fait aussi mal, frérot? Non, mais mec, je me suis fait surprendre par un cochon, je suis une merde. Je suis une merde. J'ai réussi à me faire surprendre par un cochon. Alors que tout le monde sait qu'un cochon, il faut le défendre. Comment il perd ça? Ouais, là, j'avoue. Là, j'avoue, les gars, je suis une quiche. Hein. Là, j'avoue, je sais pas comment j'ai perdu ça, là. C'est pas grave. C'est pas grave, les gars. On se reprend. Ok. Petit sorcier fond de map. Putain, bah. Je sais pas quoi faire là. Vas-y, j'envoie un golem, frère. Ma sorcière de la nuit. Ah attends. Oh non. Ok, c'est bon, le sorcier il attaque la tour. Ok, mais. Oh, l'armée de squelette. Aïe. L'armée de squelette, elle a quand même bien fait le café. Hein. Par contre, là, mon golem, il s'est fait défoncer là. Putain, j'ai tué ma game d'avant. J'ai encore le seum, frère. J'ai. Oh non, mon zap il est arrivé trop tard. Je te jure, j'ai encore le seum de la game d'avant. Ok. Putain, j'ai pas mon zap. Boule de feu pour défendre le feu à gobelin. En vrai, là, c'est ce que j'avais de mieux, non? Allez, c'est reparti. En plus, il a mis son sorcier. S'il met ses bébés maintenant, je mets mon armée de squelette. S'il met ses bébés plus tard, bah là, j'avoue. Oh, mais là, je suis trop con, là. Bah ouais les gars, mais non, je suis trop con. En fait, j'essaye trop de jouer comme un pro que du coup, je défends pas. Parce que je me dis, non, mais si je défends, je vais utiliser trop d'élixir pour rien. Et du coup, je défends pas. Du coup, bah, j'utilise pas d'élixir, mais après, je me fais enculer ma race. Et en plus, en face, il défend bien, putain. Oh. Oh, les barbares. Oh, le bâtard. En vrai les gars, j'ai gagné. Faut que je joue comme je sais jouer. J'arrête d'essayer de faire joueur pro. Je joue comme j'ai l'habitude de jouer. Hop là, le bon zap. Oh, ça fait mal quand même. Putain, son armée de squelettes de mort là. On attaque des deux côtés, on met. Oh le bâtard. Allez, c'est bon, les enchères après la tour. Non. Oui. Let's go. Oh putain, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Ok, c'est bon, ça va mieux. Ok, ça va mieux. Allez les gars, on continue. Allez, on continue. Eh là, ça y est, je veux que des victoires. Eh, je veux que des victoires là. Allez, bonne chance. Toi mec, Gabin, t'es pas au courant mais t'es fini mec. Armée de squelette agressive. Oh la bonne armée de squelette agressive. Il a plus d'élixir. Merde. Attendez là, je panique. Parce que du coup, j'ai plus l'armée de squelette pour défendre lui. Dis-moi que la reine des archers a tué la princesse. Let's go. Mais du coup, elle va se faire fumer. Sauf si elle devient invisible. Oh, ça défend bien. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Après les archers vont me faire un peu mal mais ça va. Et j'envoie un golem. Allez c'est parti. En vrai j'ai trop bien défendu frère. Aïe. Oh non. Oh non. Oh c'est bon j'ai perdu. Allez hop j'ai perdu ma game. Bien joué fin du match. J'aurais même pas dû défendre. J'aurais dû tout mettre dans mon push.
dépité, mec. Pourquoi je zappe? Ça sert à rien, ça tue même pas la princesse. Bon, ça va en vrai. En vrai, les gars, c'est... ça passe. Ça passe. Mais ma boule de feu était vraiment nulle. Putain, elle me fait chier, elle. Oh non, mais je suis trop con. L'armée squelette, faut que je la garde pour le PK, frère. En fait, j'aurais dû mettre les archères pour défendre la... Mais je suis trop con, frère. Mais attendez, mais je joue trop mal, là. Aïe! Merde, fais chier, elle a pris l'aggro de la moumou. Je pense que là, je mets les barbares d'élite ou pas? Je pense que je mets les barbares d'élite. Oh! Oh, let's go la tour! Let's go, j'ai la tour! Oh, let's go! Oh non! Ma reine, wesh! Putain, j'ai utilisé son pouvoir pour rien. Aïe, aïe! Ok, c'est bon. Les barbares d'élite, je les mets sur elle. Aïe! Oh, la reine des archères, je vais pouvoir utiliser son pouvoir. Elle est encore en vie? Oui? 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 Je lui ai roulé dessus, frérot. Je lui ai roulé dessus. Oh là 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 là. Personne n'a vu ma crotte de nez. À un moment, j'ai eu une sale crotte de nez. Personne n'a vu. Oh là là, les gars, c'est beau. Eh, c'est magnifique. Ça commence à être pas mal, là. Ça commence à être pas mal. J'ai reçu une notif de Walouf. Oh, il m'a dit GG. Ta défense sur le PK était parfaite. Magnifique. Ta défense sur le PK était parfaite, GG. Les gars, je suis trop content. Allez, on continue. Allez, on continue. On continue, on peut le faire, bordel. On peut le faire. En vrai, je commence à m'approprier le deck, là. Ça commence à être pas mal. Hop là, le bon zap. Ok. Plutôt calme. Et hey, j'aime pas quand les ennemis en face ils jouent rien. Parce que moi j'aime bien défendre, mais il faut que le mec il attaque. Parce que s'il attaque pas, je mets de l'élixir vraiment dans le vide. Là par exemple, oh, barbare d'élite là, non? Ah, peut-être pas en fait. Parce que du coup là le sorcier. Ah oh, ouais, là le sorcier il fait carnage. Ok. Oh le chien. N'oublie pas, hein. Cochon, tu le défends pas, il te détruit ta tour. Hein. On n'oublie pas. Hein. Ok, vas-y, dommage. Tu sais quoi, je veux pas défendre. J'aurais peut-être du zap. Ok, ça part. Ça part sur un golem. S'il a son cochon, ouais, c'est une blague, là. Ok, bon, les archères vont défendre. Et en même temps, elles serviront pour un futur push. Mais, hey, par contre, la cave à bélière, les gars, faut que quelqu'un m'explique. Je comprends pas, elle attaque comment. Parce que elle attaque un peu à droite, à gauche, frère. Elle change de cible. C'est la seule, tu la vois, elle change de cible. À un moment, elle attaque le golem. À un moment, elle attaque les archers. Il comprend rien. Putain, le sorcier il casse la tête. Hein. Dis-moi qu'il meurt. Ok, il meurt. Au pont là, la sorcière de la nuit derrière. Ok, le gang de gobelins pas mal, mais ça suffit pas. Oh là, ça va faire mal là. Ok, mais en fait, la sorcière de la nuit, je comprends pourquoi elle est bien dans les decks golems. Oh, je l'ai éclaté et je pars direct sur un autre push, frérot. Ah, le bâtard, il a bien joué.
Bon, en vrai, son cochon, il a mis qu'un coup, ça passe. S'il met sa cave à bélière. Par contre, là, j'ai paniqué, là. Oh non, ça touche moi à ma tour. Oh non, mais là, je joue mal, là. En plus, j'ai même pas accompagné mon golem. J'aurais dû juste défendre. Et j'aime pas juste défendre. Oh là 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 là. Les golemites avec l'ascenseur de la nuit, ça fait trop le café, frère. Bon, vas-y, je vais défendre. Je laisse pas prendre ma tour comme ça, frérot. Ah, il va bûcher. Et non. J'ai eu chaud en vrai. J'ai cru qu'il allait prendre ma tour. Let's go. Encore une victoire. Eh là, c'est pas mal, hein. Bon, les gars, j'ai pris un peu de temps à m'acclimater le deck. J'ai fait quelques petites défaites. Mais là, on commence à enchaîner. Il me dit quoi? Cavabellier quand il y a plusieurs unités, elle les tape un par un. Ah, ok. Ok, d'accord. Ok, merci Walouf. Walouf qui me donne les bons conseils. Par contre, là, j'ai un deck trop agressif, là. J'avais une main, frérot. Elle me disait attaque. Attaque. Oh, le bâtard. Trop bien placé son esprit. Oh, le bâtard. C'est quoi, il a mis son canon. J'en profite. Oh, le chien. Non, mais là, j'ai que des bad timing. Putain. Arrête. Oh, frérot. Oh, il m'énerve, lui. Oh, lui, j'espère que je le fume. Les mecs qui font ça, je les déteste. Je vais le fumer, lui. Les archers. Putain, il a déjà cyclé son canon. J'ai trop le seum. Son golem de glace, il défend trop bien. Je sais pas si j'ai bien fait de mettre les barbares d'élite, mais je m'en bats les couilles. Oui, c'est abusé là. Oh, les barbares d'élite. Oh, les barbares d'élite. Oh, il a trop le seum. Oh, il a trop le seum. Let's go. Il a trop le seum. Ah, j'adore. Bah, par contre, là, faut jouer, frérot. Il n'y a plus d'élixir, tu crois? Putain, il rend fou à boule de feu, ma reine. Ok, je pars de l'autre côté. Hop. Je te laisse pas mourir, reine des archers. Let's go. La bonne armée de squelettes pour bien défendre. Bah alors, frérot, il arrive plus à passer, là. Allez, dis-moi que le golem de glace, il meurt, comme ça, il fume pas les chauves-souris. Let's go. Les bons archers, ici. La boule de feu ratée. Oh, bah là, il a trop le seum. Bah là, c'est bon. Là, il peut abandonner, le frérot. Oh, là, il peut abandonner, le frérot. Là, il est fini, hein. Tu veux qu'il fasse quoi? Oh, là, 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 là. Je lui roule dessus. Mais mec, il est incroyable, mon deck. Il est incroyable, ce deck. Il est incroyable, les gars. C'est bon. J'ai mon nouveau deck. Faut que je m'entraîne. Faut que je m'entraîne parce que, regardez, les trois combats que j'ai, les trois premiers combats que j'ai fait avec, je les ai perdus. Là, au final, je suis en train de faire que des victoires. Je fais des trois couronnes. Donc, je pense que si je m'entraîne bien, les gars, je peux aller loin, là. Allez, dernier combat. Les gars, dernier combat du live. On va voir. Est-ce que ce deck est le bon ou pas? C'est ce combat qui va tout déterminer. Est-ce que ce deck devient mon nouveau deck officiel? Oh, le bâtard. Je panique, les gars. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Il a envoyé un PK. Alors toi, déjà, je vais pas te laisser là. Et ben voilà. Oh lolo lolo. Oh, l'armée de squelettes qui arrive au bon moment. Oh, il a trop le seum. Aïe. T'inquiète pas. Moi aussi je les ai. Hop, on t'y m'a niqué là. Wesh. C'est pas normal là, il m'a niqué. Je pense que là, j'ai utilisé trop d'élixir, non? J'aurais peut-être pu mieux défendre. En fait, je sais pas. La reine des archères, elle aurait pu bien défendre. Ton deck est un peu cher là, non? Ouais, c'est vrai qu'il est un peu cher, mais c'est un deck golem, quoi.
pensais... Non mais là je peux pas mettre mon golem. Je pense que là je mets mon golem. Ah mais non parce que là il est trop agressif. En fait le problème lui c'est qu'il a un deck trop agressif. Oh le bâtard. T'inquiète pas. T'inquiète. Oh le... Non. Non. Non mais là les gars on est d'accord, je pouvais rien faire. Il a fait un move 200 IQ. Mais wesh. Mais là, là les gars on est d'accord, je viens de me prendre un move 200 IQ. Toi déjà tu vas pas rester en vie, je te le dis. Putain la mamie sorcière elle me rend ouf. Je me fais démonter. Oh mais pourquoi je mets mon armée de squelette, y'a sa mamie. Mais ma boule de feu est trop mal placée. Ah, y'a des cochons partout. Ah, je suis dégoûté. Oh fait chier parce qu'en vrai, regardez à droite comment j'avais bien gratté son. En vrai j'aurais pu gagner, j'ai trop paniqué. Je vous jure qu'en vrai j'aurais pu gagner. Ok, on recommence. C'est lui. C'est le dernier combat, les gars. C'est lui le dernier combat. Je vous le dis. C'est ce combat là. Il va déterminer si ce deck c'est le. Eh, vous savez quoi? Hop là, regarde. Mec, je suis en ouf. Regarde le move. Bon, il a un peu bien défendu en fait. Mais en vrai, il a défendu avec combien? Avec 5 élixirs. Ça passe. En vrai, il a défendu avec 5 élixirs. Aïe. Oh bah voilà. Hop là. Putain il tape quand même. Je pensais pas qu'il tapait quand même quand on boule de feu. Ok on est revenu égalité en termes d'élixir. Il a plus ses cochons. Il a pas d'autre attaque. Oh lui aussi il joue reine des archers. Mais niveau 12. Moi les niveau 13. Nananer nananer. Oh non. Oh lui aussi il l'a rendu invisible, je suis mort. Putain j'ai trop mal placé. Oh non. Oh j'ai trop mal joué. Et il a déjà cyclé wesh. Putain mais il abuse là. Ok. Ok bon. Il va envoyer ses cochons non? S'il envoie ses cochons il est trop con. Ah, partez pas trop vite. Voilà. J'ai dû les zap. J'ai dû les zap parce que sinon ma boule de feu elle était complètement ratée. Je suis mort. Ok, pourquoi pas. Ça faut le défendre ou pas? Non il va die. Ah il tape quand même. Bon il a mis un petit coup, ça passe. Allez c'est parti. C'est parti frérot. Il a miroir, ah il a miroir. Ok. La strat c'est les mini attaqueurs. C'est qui les mini attaqueurs? Tu parles des barbares d'élite là? Les mini attaqueurs. Alors là frérot, barbares d'élite défensif et en même temps ça va faire un contre-push ultime. Reste en vie s'il te plaît. Let's go. Elle reste en vie. Les barbares d'élite ils sont de l'autre côté. Ils sont prêts à attaquer. Les barbares d'élite. Est-ce qu'il va les défendre? Putain mais pourquoi ils vont là-bas? Il les a défendus. Il les a plutôt bien défendus. Il les a pas défendus. Les barbares d'élite qui vont faire un taf monstrueux sur la tour de l'autre côté. Les barbares d'élite qui prennent la tour. Ils sont vraiment surpuissants putain. Les barbares d'élite sont surpuissants les gars. Je vous le dis. Je vous le dis, les barbares d'élite sont surpuissants.
Mec, j'aime trop mon deck. Eh, il faut encore que j'apprenne à le jouer parce que vous avez vu, sûrement je fais plein d'erreurs et tout à des endroits. Il y a des gars, j'arrive pas à les défendre. Sauf que par contre, c'est un deck que j'aime trop jouer, frère. Ok, c'est peut-être un deck un peu raciste, mais j'aime trop le jouer. Et du coup, résultat des comptes, on a gagné des trophées, les gars. On a gagné des trophées. Bon, lui, allez hop, lui, t'es plus mon ami. Hop, t'es plus mon ami. Tu me spam, tu me rends fou, je sais même pas t'es qui. Tu n'es plus mon pote. J'ai dit que t'étais plus mon ami. Non. T'es plus mon pote. Il me rend ouf, ce mec. Hop. Clash Royale. Bah, c'est déjà quitté. Comment je quitte? Voilà, Clash Royale, on quitte. On relance. Et c'est plus mon pote. Il me rend ouf. Les gens qui font des strats pour sauver le monde, monsieur les barbares attaqueurs. Oh non, pauvre statiste. Non, mais il m'a rendu ouf en vrai. En plus, je sais même pas c'est qui. Je sais même pas pourquoi c'est mon ami. Je sais même pas c'est qui, frère. Bref. Du coup, les gars, résultat des courses. On a quand même gagné un peu de trophées. Si vous avez pas vu, vous avez pas vu tous les combats. En gros, j'ai fait. Au début, j'ai commencé. Bah, regardez, je vais carrément tout vous montrer. Au début, frérot, j'ai fait défaite, défaite, défaite. Ensuite, je me suis un peu repris, victoire, ensuite défaite. Ensuite, victoire, 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 victoire. Il y a eu une petite défaite et encore une victoire. C'est plutôt pas mal. C'est un deck encore qu'il faut que j'apprenne à jouer. Mais vous avez vu, plus ça allait, plus il y avait de victoires. Donc c'est bon signe. Et voilà, hein. Mec, je l'aime trop ce deck. Je l'aime trop. Montre le deck. Mais je pense que prochaine fois, on le rejouera. On le rejouera prochaine fois et je vais être encore plus fort. Parce que du coup, là... Moi, je continue à jouer en off à Clash Royale et je vais jouer un peu en off de mon côté et en jouant en off, bah ça va m'entraîner. Et du coup, prochain live où on rejouera avec ce deck, je pense que je vais être chaud. Mais là, en gros, là, j'arrête de live parce que je vais au resto. Du coup, je pourrais pas live jusqu'à ce qu'il y ait la nouvelle saison parce que la nouvelle saison Clash Royale, c'est lundi. Donc, je pourrais pas live jusqu'à la prochaine saison. Mais je vais essayer de farm les 6300. De toute façon, vous pouvez m'espionner en vrai. En vrai, si vous voulez, vous m'espionnez, les gars. Vous allez, vous mettez le clan El Krakos. Et quand... Putain, mais il me rend ouf, lui. Vous mettez le clan El Krakos et vous essayez de m'espionner. Et comme ça, vous allez voir où est-ce que j'en suis. Mais je vais essayer de farmer les 6300. Je pense que je peux y arriver, en vrai. Je suis passé niveau 14. J'ai un nouveau deck qui est très cheaté. Je pense que je peux y arriver. Et bah, les gars, merci d'avoir suivi ce live. Vous avez kiffé, en vrai, ou pas? Moi, sachez que j'ai trop kiffé, frérot. Mais en vrai, je suis trop content que Clash Royale soit revenu à la mode. Même moi, j'avais arrêté de jouer à Clash Royale, j'ai repris, là, je suis trop redevenu accro. Ouais. GG à toi, oui, on a kiffé, magnifique. Et ben les gars, je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir suivi ce live, vous êtes les boss, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao l'équipe. Prenez soin de vous, cœur sur vous les gars. A bientôt, bisous les BG.